Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Silver, salut Mathias, salut Nagoku, salut Mal, dégage, j'arrive, je mets juste la miniature deux secondes. Par contre j'ai un sale épissa ici là. Merde, c'est pas grave. Alors attends, parce que les gars, j'ai une info à vous dire. Ça m'a révolutionné aujourd'hui là. Ça m'a surtout mis bien d'ailleurs. Hop 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 hop, emporter la miniature. Hop. Alors les tags. GG pour ton partenariat. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai vu avec Giants Software pour justement. J'ai demandé. J'ai fait une demande de partenariat. Et elle a été acceptée. Donc, si vous voulez acheter le jeu, que vous ne l'avez pas encore, et ben vous pourrez bientôt, parce qu'il faut que du coup, je mette tous les liens en description, bref. Je vais voir comment je vais faire. Mais j'avoue que j'ai eu une chatte sur ça avec le partenariat Farming. Voilà, j'ai mis les tags pour que ça fasse propre. Je vais, je sais pas si j'ai autorisé les rediffusions. On va revenir à l'intérêt aux spectateurs en plusieurs événements ajoutés à une rediffusion direct ou une première. Non, ça c'est pas ça. Je sais pas si j'ai activé la rediff. Normalement, vous avez la miniature en tout cas. Yo Nexox, comment tu vas? Salut Mathieu, salut Romain, salut Pigeon, salut la team. Et j'ai toujours pas fini ma rédaction. Ah oui, cette fameuse rédaction, d'accord. Ouais. Bah écoutez les gars, moi ce que je vous propose directement, c'est qu'on commence directement le live. J'avoue que j'étais beaucoup plus vite, non, ça fait combien de temps qu'on est en live? 3 minutes. J'avoue qu'on a été beaucoup plus vite qu'avant, j'ai l'impression, au niveau de la préparation du live. Déjà, donc ça fait un peu plaisir, tu vois. Live subscriber count, on va mettre le petit live d'abonnés, même quand on en, quand même quand on perd un abonné, ça pique, mais faut rester fort. Hop, on va réduire la page. Hop, voilà. Voilà. Comment ça, nouvel onglet, mon rush, il me fait quoi lui? T'as l'ordi, il se portait bien jusqu'à maintenant, quoi. Oh non, mais c'est bon, hein. J'ai même pas fait la vidéo TikTok. On va aller voir les mods, mais les gars en mode qui doivent sortir très bientôt, il y en a, mais littéralement pas mal, hein. Voilà. La page d'abonnés, elle est quand même un peu grande, je trouve, là, non? Voilà. Voilà, voilà. Yo Corentin, bravo, tu le mérites. Bah, merci, ça fait plaisir en tout cas.
C'est Lucas Frigol sur Discord, oui, je pense. Après, Discord, je pense qu'il y en a qui vont bouger aussi. C'est comme les amis Play. Les gars, on est parti pour un live moisson. On va aller voir les mods déjà. Et puis, dès qu'on sera parti voir les mods, pendant que la map elle va charger, on va faire la vidéo TikTok pour qu'on puisse dire qu'on est en live. Toute façon, au niveau des mods, moi je vais rien installer hein, parce que si c'est pour qu'on crache. C'est pas la peine, mais effectivement j'ai une très grosse annonce à faire au fil du live. Voilà, j'ai réussi à passer partenaire farming, donc je vous cache pas que ça fait plaisir. Donc bon, ça fait plaisir de passer partenaire farming, du coup j'ai tout ce qui est lien, etc., code d'accès, etc. Bref, ça fait toujours plaisir. Salut Solange, comment tu vas? Donc voilà, vous savez tout, partenaire farming, donc farming, donc Giant Software quoi en gros. Donc bon, j'avoue que Zero m'a pas mal aidé. J'avoue que, enfin, Zero m'a aidé. J'ai fait les démarches moi-même, hein, le mail et tout. Mais j'ai demandé à Zero sur Insta pour voir comment effectivement on faisait et comment ça se passait au niveau justement du partenaire farming. Je vous cache pas que ça me fout la pression parce que je me dis à n'importe quel moment ça peut littéralement basculer, ça peut partir en couille. Mais je suis confiant, franchement, c'est une bonne aventure à vivre, hein, partenaire farming, quand vous recevez une réponse positive. Moi j'ai su ça hier déjà à 21h. Je voulais vous en faire la surprise en live. Donc voilà. Après, il faut que je voie avec Zero s'il faut que je publie les liens, etc. Bref, tu sais que je suis pas ça après. Voilà. Et on m'a dit sur. Comment ça s'appelle là? On m'a dit sur Snap. Si t'as peu d'abonnés, est-ce que tu peux devenir partenaire farming? Alors, je pense pas que ça se passe comme ça. Parce qu'il faut être réglo surtout. Il faut être réglo niveau nombre d'abonnés. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est un petit peu de l'audience. C'est-à-dire si t'as 3000 abonnés et que t'as 0 personne qui achète le jeu, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais j'avoue que c'est plutôt stylé le fait que tu sois partenaire farming. On va faire la vidéo TikTok vite fait, comme ça ce sera fait. Bon les gars, on est en live sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir. Donc vous retrouverez la chaîne YouTube en description et en commentaire. Et également, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une annonce qui va être faite en fin de live, donc n'hésitez pas à venir. L'annonce, hein, qui... Parce que les gens ne sont pas forcément au courant, même les gens, je ne pense pas qu'ils vont se dire « Tiens, Romain était partenaire farming. » Même de toute façon, voilà, après, voilà... Ça fait toujours plaisir. Oui, j'ai... chaîne YouTube, je vais faire un vocal, ça sera beaucoup plus simple. Chaîne YouTube The Mister Romain. Bon, bah, il l'a écrit entre guillemets. Hein. Oh putain. Apostrophe Romain. Annonce en live. Hashtag FS22, Romain-Dieu, pas YT Farming Simulator, vérifie-moi TikTok, j'aimerais bien qu'il me certifie TikTok d'ailleurs pour ça. PS4 et YouTube. L'hashtag YouTube, c'est important YouTube. Oh, je vais faire tomber le téléphone. En live YouTube, plus annonce. Oh, je fais que des conneries. On va démarrer, hein, 2 secondes, hein.
Yo les boss, comment tu vas? Salut Robert, je démarre la map. Hier je ne t'ai pas trouvé parce qu'hier j'étais pas en live hier. Hier j'étais pas en... Enfin si, hier j'étais en live mais sur TikTok d'ailleurs. Où t'as une personne mais qui a fait un don mais de 280 diamants je crois. Donc c'est l'équivalent de 2,02€ je crois, je sais plus. Donc bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors vu qu'on a le temps les gars, chaîne YouTube de points, The Mister apostrophe Romain. D'ailleurs les gars, je dis ça, je dis rien, mais merde, comment ça s'appelle déjà? Oui, sur Discord. Il y a une personne qui est venue me parler sur Discord. Donc une personne qui est d'ailleurs le modérateur de la chaîne, donc qui est du coup Arctic, je pense que maintenant vous le connaissez. Le problème, Big Farmer, je pense que vous le connaissez. Certains le connaissent, Big Farmer. Big Farmer, qui est un youtubeur que j'ai fait monter en abonné, même énormément. Vous voyez, qui m'a déçu. Voilà, m'a réellement déçu. Big Farmer, qui était quand même l'une des personnes que j'avais confiance en moi. Et Big Farmer, qui a du coup dit des choses à un modérateur de la chaîne, enfin un ancien modo. Ça m'a pas plu. Salut Stéphane, comment tu vas? Si vous le savez. Donc voilà. C'est moi, non? Ouais mais les gars, si vous venez de TikTok parce que je vous ai répondu à un commentaire ou un délire comme ça, moi je sais pas qui vous êtes en réalité, hein. Moi je passe sur les comptes des fois, je fais bon. Après non plus, faites pas vos pubs, hein, je suis cool, mais bon. On peut parler de tweet, de rien, de TikTok, YouTube, Twitch, Instagram, comment percer, mais bon. Voilà. Ça reste tranquille, tu vois. Non, c'est Arctic, ça. Il m'a dit quelque chose sur Discord tout à l'heure. Il m'a parlé et il m'a demandé déjà en premier temps est-ce que je m'entendais bien encore avec avec Big Farmer. Et moi je lui ai dit bah écoute, personnellement moi oui, je m'entends encore très bien avec lui. Et je lui ai demandé pourquoi et il m'a dit parce que en privé sur Discord, Big Farmer il est parti lui parler. Il est parti parler à Arctic. Et il lui a sorti, oui, toi, t'es une merde, t'es un con, tu sers à rien, tout ça. Au niveau de la modération, etc. Salut Tom, comment tu vas Thomas? Comment tu vas Thomas? C'est pas ma pub, y a pas de problème alors. Silver, déjà fait, t'inquiète. Ça fait plaisir les gars, merci pour le soutien en tout cas. Merci pour le soutien, les pouces bleus, 15 pouces bleus, merci beaucoup les gars, 15 likes. Ça fait plaisir. Je vais dire à Steve qui est trop... Non, les gars, ouais, non. Par contre les gars, attendez, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Il y a une personne qui m'a pris la tête une fois, justement concernant ça. Il y a une personne qui est venue sur live et qui m'a dit quoi? Qui m'a dit Romain, arrête de faire ta pub sur live de Starview. Pendant que j'étais en pleine occupation à faire j'ai plus quoi sur farming. Et c'est parce qu'il y a une personne d'un live, donc du live, qui est partie balance à Starview que j'étais en live. Si vraiment vous voulez que Starview passe, il faut attendre. Hein. Starview elle est venue deux fois me raid en live, que ce soit Insta, YouTube. Les gars, voilà, Starview il a pas que ça à foutre non plus de me raid, et faut le comprendre aussi parce que bon, s'il me raid tous les jours, je pense que ça commu, voilà. Mais il faut faire attention, les gars, parce que justement, ce genre de truc ça peut vous mener au ban, et moi je peux avoir des problèmes avec Starview parce que il y a beaucoup de personnes, malheureusement, je sais pas si vous êtes sur le fait que vous voulez vraiment que Starview passe, parce que, bon, vous l'avez raté déjà, hein, ça c'est sûr. Hein. Il est passé déjà plusieurs fois sur le live hein, depuis le début, ça je vous l'avoue. Après si vous voulez le voir sur les lives, voilà, moi je sais pas, mais il faut pas faire ça les gars. Moi ça m'attirera pas de problème je pense, mais Starview me verra différemment, tu vois. Moi j'ai un bon contact avec Starview, je vais vous dire un truc, faut pas non plus que ça parte en couille non plus, tu vois. C'est tout à fait normal. Il peut pas, il parle à Marx. Ouais, mais ça dépend. Tu cales ton message au bon moment, t'es tranquille. Hein.
25, le 25 il est où? Ah oui, c'est vrai. Ah ok, désolé. Il n'y a pas de problème. Je préfère vous prévenir maintenant plutôt que vous fassiez cette bêtise et que moi je me fasse après Daronet, enfin Daronet, que je me fasse niquer la gueule en live. Parce que j'ai un modo sympa, hein. Mais le modo, c'est également... Enfin le modo... Il y a le modo de Stervio qui passe des fois sur mes lives, qui même d'ailleurs fait un petit peu de la modération sans être modo. Voilà. Il faut quand même dire que voilà, moi je suis peut-être en live sur Farming, je suis peut-être en live YouTube. Je suis en live, oui, le jour où il live, voilà, moi j'ai pas live pendant 2 jours sur YouTube. Bah je me dis voilà, je vais faire un petit live YouTube ce soir parce que j'en ai pas fait depuis 2 jours. Tu vois. J'essaye d'être au maximum le plus présent au niveau des lives. Donc voilà. Mais il faut pas dire après Stervio, oui, il y a vraiment qui est live. Parce que moi ça va me faire passer pour un gros forceur et voilà. Parce que moi, il y a un objectif, les gars, que j'aimerais bien atteindre sur l'aide de Stervio, ce serait surtout de participer dans sa team. Ou au moins de venir jouer quelques fois en live avec lui, tu vois. C'est quoi la map? C'est Farm Kamsden. Salut Kenji, comment tu vas? Moi, je vais laisser la machine là. On va couper les gyros. Le case, il est où? Là. Salut Victor, je peux être modo YouTube? Non, vous serez pas modo YouTube. J'en ai peut-être peu, mais c'est des personnes qui savent faire leur travail. Enfin, leur travail. Et je fais des vidéos, mais pas beaucoup. Ouais, mais bon. Vous savez, faire des vidéos ou des lives ou un truc comme ça, vous savez, moi, Stervio, je suppose qu'il est pas parti visiter l'entièreté de ma chaîne, tu vois. Voilà. Stervio, voilà, vous pourrez vous dire, oui, mais toi, t'as de la chance, il t'arrête, ça se fait pas. C'est pas moi qui l'ai voulu, hein. C'est lui qui l'a voulu, mais ça fait plaisir. Voilà. Bien et toi? Bah ça va tranquille. Ça va tranquille. Elle est sur le mode hub. Elle est disponible PS4, PC. En gros, elle est disponible partout, quoi. Cette map. Je me l'avais, y a pas de problème, Nad Goku. Mais voilà. Je préfère vous prévenir avant que vous fassiez des conneries d'aller sur live de Stervio en disant que je suis en live. Surtout que voilà, j'ai juste 6 abonnés. Ouais mais bon, les pubs, voilà. 6 abonnés, moi je veux bien, hein. Mais moi j'ai taffé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Hein. J'ai été, mais tu m'as enlevé pour rien. Je t'ai enlevé pour manque d'activité, il me semble. T'as fait quoi de beau, Romain? Quoi de beau, disons rien de spécial. Une petite moisson ce soir, tranquille, on va essayer de finir les moissons, bref. J'essaie de tabou. Faut travailler, faut faire avec des vidéos, les gars. Voilà, moi je peux pas vous raid sur ce coup-là, moi, les gars. J'ai pas assez d'abos pour vous raid. Si vous voulez gagner des abos, il faut être référencé par YouTube aussi, quoi. Que moi des fois j'ai l'impression que t'en as qui viennent que sur les lives pour être raid, quoi, tu vois. Et c'est pas le principe. Voilà, moi je veux bien faire les efforts qu'il faut, vous dire voilà, il faut faire comme ça, vous donner des conseils, vous voyez. Mais il faut pas non plus forcer quand même sur le fait que moi des raids j'en ferai, c'est sûr, hein, mais pas aujourd'hui. Je préfère faire un raid avec un nombre d'abonnés assez élevé, tu vois, pour que je puisse vous régaler niveau abonnés. Plutôt que vous faire des lives avec 3-4 personnes sur vos lives en plus. Voilà. Ça ferait plaisir, mais bon, voilà. Au moins, tu connais un site pour avoir les mods qui vont sortir dans la semaine. Sur Giant Software. Tout simplement. Il y a un plateau autoload pour les palettes. Non, pas encore. Slématis, comment tu vas? Salut, Elitesso. Je sais pas si je l'ai bien dit. Comment ça va? Voilà, c'est ça, c'est ce site là, ouais. Combien de mètres la coupe? 18,2. La plus grande niveau console. Euh
Stair Mode. Alors elle est pas sur Stair Mode je crois celle-là, il me semble pas. Elle est sur le mode up, tu peux la trouver sur Google partout, mais sur Stair Mode je sais pas. Salut Mathis, c'est quand que la map elle sort? Enfin, j'en sais rien, moi les gars vont me poser ces questions, j'en sais rien du tout. Elle est grosse, bah surtout elle est longue surtout ouais. Elle n'est pas spécialement grosse, hein. Elle est quand même une bonne épaisseur quand même. Mais disons qu'elle est quand même longue, tu vois. Donc bon. Ouais, c'est pratique pour des gros champs, j'avoue. Tu peux m'appeler Matt. Oh, si vous voulez. Hein. Petite question, tu peux m'ajouter PS4. Je donne mon PSN à personne, plus personne en tout cas. J'en ai payé les conséquences, hein. Disons. Quand des mecs étaient autour des groupes bizarres pour parler de rien. Non. Ouais, non, mais on voit la barre de coupe, voilà, elle est quand même pas mal. Bon, elle est longue, hein, ça c'est sûr. Mais niveau largeur, elle est plutôt pas mal, tu vois, en vrai. Là, pour du gros champ, réellement, quand tu te mets en vue haute, je vais te dire un truc, la barre de coupe, tu la vois de loin. Hein. Donc voilà. Moi, je jouais fameux sur PS5. Vous devez avoir normalement les gyrophares réalistes sur PS5. Tu finis à quelle heure? Oh, je sais pas, à minuit, je pense. Faut qu'on finisse la moisson déjà, ça c'est sûr. On a de la moisson à finir, on a de la presse à commencer. Que je ne pense pas qu'on commencera ce soir, mais bon, on verra. Ah, ok, je savais pas, mais c'était juste. Mais c'est juste, je voulais jouer avec toi sur la saison 2, oui, je sais. La plupart des gens, quand ils me demandent ça, je sais c'est pourquoi. Mais voilà, moi je prends personne. La plupart du temps, je joue qu'avec les potes ou un truc comme ça, tu vois. Après, oui, moi ça me fait chier de refuser hein, que vous puissiez venir, vous voyez. Mais si tous les jours je dois prendre 6 personnes parce que vous voulez que je joue en multi, moi à la limite j'ai même plus de carrière solo, tu vois. Moi en vrai ça me dérange pas les gars de vous prendre, mais le problème c'est que voilà, moi je peux pas gérer mon live perso en me disant que je vais faire un live peut-être abonné, en me disant que je risque de me retrouver comme un con tout seul. J'ai un live abonné qui est prévu pour vendredi, il reste plus beaucoup de place, je crois qu'il en reste une voire deux. Donc c'est le moment quoi. Non mais de toute façon Nexo, de toute façon Silver s'en charge des liens, t'inquiète pas. Il s'en charge. Et il me semble que attends Nexo, c'était pas sur le serveur Discord, il me semble. Parce que si t'es sur le serveur Discord, j'ai retiré un de tes comptes des modérateurs. Tu peux m'aider? Un pote me demande comment on traduit en anglais. Je mange l'air. Je mange l'air. Traduction les gars. Hein. J'aimerais ça. Jouer avec toi tout de suite à nos jours. Ça peut être dans très longtemps. Hein. Je vous cache pas que. Non, je rigole pas, ça peut être dans très longtemps. Hein. Je peux venir s'il te plaît, il y en a qui ont pas compris. Hein. Il y en a qui ont vraiment pas compris. Hein. Je viens de dire à l'instant, vous voyez. Il reste de place pour vendredi, je sais même pas combien de place il reste, il en reste plus beaucoup. Hein. J'ai été voir sur Discord. Ah bah c'est possible. Les deux comptes, j'ai mis trop. Ouais mais bon, même il y a un compte que peut-être retirer des modos avec. C'est normal en même temps, il y a un compte qui est actif et l'autre qui est pas actif. T'as deux comptes, on sait même pas c'est lequel le compte le plus actif, alors voilà quoi. À ton live, ouais mais vous venez pas sur mon live d'ailleurs. Vous venez pas sur mon live live abonné. Discord d'ailleurs. Allez sur Discord. Si vous voulez participer au live abonné, faut aller sur Discord. Yo Glenn, comment tu vas? T'es trop fort, continue comme ça, merci copain. Attends, je mets dans le chat. Je sais pas si je pourrai. Hein. Salut Nexox, comment tu vas? Salut Vanessa.
Le 14, code de traduction, oui, c'est ça. Thomas sur PC ou console. Tu as combien de modes? Là, je dois être modé sur à peu près 20, 30, 35 modes à peu près. Ça va, software? En parlant de software, mon gars, je crois que t'es pas au courant, toi. Je crois que t'es pas au courant. Tu envahis, mais pour toi. C'est tout à fait normal. Pourquoi Balou, il a été suspendu? Attends. Moi, il y a un truc là. Est-ce que t'habites à durci? Ouais, non, mais ces vannes comme ça, moi, ça va, ça passe, tu vois. C'est pas non plus des vannes super graves non plus, tu vois. C'est pas comme Vivit ou Lena, tu vois. Vidéo, je viens de TikTok, et bah bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à t'abonner à ce si c'est pas encore fait. J'arrive pas à télécharger de mode, bah il faut les télécharger dans les contenus téléchargeables. Et le compte soit actif, c'est juste. Ouais, mais bon, ça sert à rien. De toute façon, ça sert à rien que j'ai deux personnes modérateurs sur le même compte, quoi. Ça sert à rien. Tu vois, c'est logique. C'est comme s'il y avait deux Mister Romain, un pour le proprio, puis un pour les modos, ça sert strictement à rien, tu vois. Puis j'ai vu avec la modératrice générale. Moi, j'ai vu avec elle aussi pour ça, donc il n'y a pas de retour en arrière. Je vais où là? C'est pas là du tout. Yo Tom, faut que je te parle. Il faut que je te parle parce qu'il y a le modérateur Francis qui est venu sur live Twitch il y a 2 jours. C'est quoi ton plus gros don? 20 €. Ceux qui veulent faire un don, n'hésitez pas, en description vous avez le lien. Voilà, je précise, ceux qui veulent, c'est pas forcé, hein. Venez pas me dire oui, tu demandes aux gens de faire des dons. Non, c'est, je vous préviens, si vous voulez, dans la description. C'est Clémence, c'est Clémence, ouais. Oh bah elle, c'est l'une des modératrices la plus générale de tous, alors bon. Il veut me parler? Non. Francis, il est venu me parler sur mon live Twitch. C'était un soir ou quand t'étais pas là. Il est quoi? Je vais t'expliquer, attends, Fury. D'ailleurs, est-ce que t'as récupéré ta play? Je peux venir, BG? Non, pas maintenant. J'en étais où? J'ai 18. Ouais, mais même. On verra. Les gars, sur Discord, il y a le lien. Enfin, dans la description, je crois qu'il y a le lien Discord. Et sur Discord, c'est justement là où je prévois live abonné. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Romain. C'est marqué comme sur le nom de la chaîne. Mais j'avoue que les gens de 18 ans, ça m'intéresse parce que je pense que vous êtes des personnes sérieuses au niveau farming, je pense. Je pense après prendre peut-être des personnes qui ont entre 15 et plus de 18 pour tout ce qui est live abonné, etc. Parce que j'avoue que la plupart des gens, des fois, ils arrivent sur les lives et voilà. Il veut me dire quoi? Lui, rien. Il est venu me dire, Francis, il est venu me dire, Romain, faut que je te parle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit, j'ai failli ban ton modo qui s'appelle Tom. J'ai fait pourquoi? Et il m'a dit parce qu'il est venu sur live de Stervio en disant que moi j'étais en live. Du coup, en parlant de moi, que j'étais en live. Et donc, j'ai expliqué tout à l'heure. Enfin, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai expliqué sur live après à Francis. Je lui ai expliqué du coup à Francis que moi, littéralement, s'il y a ça, moi j'y peux rien. Tu vois, il y a eu un jour. Où j'étais en live et t'es parti sur live de Stervion disant que j'étais en live. Et du coup, bah, Francis, ça lui a pas plu. Il t'a pas ban, mais il est venu me prévenir. Après, voilà, je te préviens, mais la prochaine fois, si tu te fais ban par Francis, moi je serai pour rien. Après, je peux. On verra. Non, là, demain, je vais chez Micromania. Pourquoi? Non, t'inquiète, c'est. Moi, je suis un peu les deux. Un peu le deuxième, je suis resté dans le groupe, mais je sais même pas c'est quoi le deuxième parce qu'il a il a le même nom. C'est quoi mon métier?
On verra ça. Toi tu m'intéresses, on verra ça. Moi j'ai 13, je joue pro. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Bah j'ai 12 et je suis con. On peut pas faire don. Normalement si. C'est que le lien il marche pas ou c'est comment? Le lien il marche pas ou c'est que... C'est que le lien il marche pas ou c'est comment? Parce que moi vous me dites ça, moi c'est bizarre quand même parce que le lien il marchait sur le dernier live donc... Non tu étais pas là il me semble. Mais ça date d'il y a 2-3 jours je crois. Et de 3 jours j'étais en live. Quoi c'était sur Twitch ou YouTube je sais plus. Tu veux me demander quoi? Attends. Je réponds en commentaire, je vais te répondre après. Mais Francis devait me parler pour autre chose. Moi je suis pas au courant sur ça mais possible. Salut Agri, comment tu vas? Bonjour, toujours. Toujours la cacher sous la couette. pour pas se faire griller par les parents. Roglen. Bah comment ça va les gars sinon à part ça? C'est mon métier, je travaille dans la ferme. Tu m'intéresses d'ailleurs toi. Ouais, on verra ça. Allez quand même sur Discord les gars. Nickel et toi, bah tranquille, toujours avec des journaux, là je suis solo là. Je suis en solo. Live abonné prévu pour vendredi. Hein. Après, vendredi, oui, on va être 6 minimum, enfin maximum. S'il y a des personnes qui partent entre temps, ils pourront être remplacés par vous si vous voulez. Hein. Je peux vraiment pas venir maintenant, ma copine va m'engueuler après. Mais pourquoi elle va t'engueuler? Pourquoi elle va t'engueuler? Je suis plus modo YouTube alors que j'ai été modo. Oui, tu as été. Hier, Staru n'était pas en live. Peut-être pas hier, mais je sais plus c'était quand. Mais il m'a dit ça. T'arrêtes à quelle heure, je sais pas. Dans Discord, en bio. Le Discord en description. Vous avez le lien, vous cliquez sur le titre. Et ça va défiler une bande et t'auras la description exactement. T'auras toute la description. Mais moi on m'a dit que les dons ça marchait pas, comment ça se fait? Il a dit hier sur live Twitch j'étais là. Hier j'étais pas en live les gars. Hier j'étais pas en live Twitch. Hier j'étais en live TikTok les gars hier. Romain il y a pas mal de gens si je peux jouer. Tu t'es pas inscrit toi déjà? Non parce que moi les gars, qu'on me demande comme ça je veux bien. Mais allez vous inscrire sur Discord avec votre PSN et votre numéro de candidature. Parce que bon, moi je veux bien vous prendre comme ça pour des lives. Mais pour moi c'est les personnes qui font les candidatures qui sont prioritaires surtout tu vois. Et donc ça marche pas, comment ça se fait? Comment ça se fait? Attends, le lien il est pas expiré comme ça quand même. Je démarre la play. Je pourrais pas vous prendre maintenant les gars. Hein. Moi j'ai prévu live solo parce que les mecs après vont faire un caca nerveux parce que je prends des gens sur mon live. Donc ouais. C'est quand je suis dispo? Demain et mercredi. Demain il y a peut-être moyen, demain entre... entre 16h, peut-être vers 16h, je pense, il y aura peut-être moyen, Mister, parce que là, ça va être un peu compliqué, j'avoue que là, ça va être un peu chaud quand même. Attendez, les gars, parce que depuis quand le lien marche pas? Mais je dis ça, je dirais, mais ça me paraît quand même bizarre, cette histoire. Moi, ça me fait chier quand même que ça marche pas, parce que ça a marché jusqu'à maintenant. Normalement le lien c'est le même, à certains on me fait une vanne, je sais pas, mais bon. Attends, pour me faire un don PayPal, oui, bah non, normalement c'est le bon, non? Voilà. Ah les gars, je sais pas, essayez, voir, moi quand je clique dessus, ça met que ça tombe sur ma page The Mister Romain, Romain pour faire un don, donc je sais pas comment ça se passe.
Je suis pas inscrit, mais là c'est juste pour demander. Bah après oui, s'il y a moyen, si tu peux, ouais, s'il y a des personnes après qui partout, il y aura moyen. Bah là je joue pas PS4, mais PC, et t'inquiète, je peux installer les mods. Ce sera joueur que PS4, hein. Et je vais essayer de préciser aussi. Je n'ai pas tout compris, mais bon, je peux contacter Francis comment sur Insta. Sur Insta. Comment on fait? Sélectionner, comment on fait pour se faire sélectionner pour vendredi? Sur Discord. Vous allez sur Discord, dans le salon général, vous remontez un petit peu les messages, vous aurez accès à tout. Ou au pire, vous partez directement dans le salon premier live abonné Farming 22. Vous verrez, il y aura tout expliqué. Bon, c'est dommage. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je veux bien prendre des gens, mais il faut que je prévoie avant, tu vois. C'est pas simple pour moi de prévoir des lives à bout. Hein. Surtout, TikTok est prévenu en plus, alors bon, on sait jamais quoi. Parce que si le TikTok vient faire 10 000 vues en une soirée, on peut se retrouver à plus de quasiment 3 000, 4 000 vues sur live. S'il faut que je prenne 4 000 personnes sur live, moi, je suis dans la merde, tu vois. C'est le seul que des gens. Hein? De quoi? Non, non, mais les gars, c'est pas grave. Mais voilà, le problème, c'est que moi, je peux pas prendre tout le monde. Vous voyez, moi, ça me dérange pas en vrai. Hein. Mais il faut que j'ai le temps, quoi. Il faut qu'on me prévienne à l'avance, surtout. Il faut qu'on me prévienne. Parce que moi, je veux bien faire des lives à bout. Hein. Y a aucun problème. Hein. C'est prévu d'ailleurs. Hein. Moi, si on me dit pas oui, au moins, est-ce que je peux venir sur ton live? Même si vous me prévenez, des fois, je vais des fois refuser. Hein, parce que vous. Des fois, il y en a qui me préviennent vers 20h, 21h. Des fois, ils me préviennent quand je suis en live. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. J'ai fait une photo avec Starvio à Yvonne Agré à Toulouse. Il y a 3 ans à peu près. J'étais bien refait. Laisse tomber, bye. Bah, écoute, à plus alors. C'est quoi son Insta? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est Francis Paris 16, je crois. J'étais grave chaud. Ah mais moi j'y peux rien moi les gars. Voilà, moi j'essaie de faire en sorte qu'il n'y a pas de jaloux sur ça, comme on fait pour avoir ton Discord. En description. Alors t'es Xbox, moi je prends que les joueurs play les gars. Hein. Il n'y a pas de cross-platform d'activer. Hein. Après, si vous venez sur les lives à Romain, c'est pas pour que vous jouez avec. Ces vidéos sont là. Oui, mais je suis d'accord. Sur la description. Oh putain. Les gars, expliquez-lui. Je vais. Les gars, expliquez-lui parce que je vais lui faire un cours YouTube là, sinon. Voilà. Merci Silver. Merci Silver. Putain, c'est quelque chose quand même. La description YouTube. Une description, c'est ce qui se trouve. Ah, c'est vraiment, il y en a qui savent pas ce que c'est une description. Moi, perso, je suis dans la merde. Ouais, du coup, Furia, ce que je voulais te dire, je sais pas si t'as vu les stories Insta. Hein. Je crois que je t'avais dit que j'avais envoyé un mail à Farming. Tu vois. Et j'ai eu une réponse. Et j'ai envoyé un mail le 29 janvier. Et j'ai eu une réponse hier soir. À 21h, j'étais en live, j'ai pas vu, tu vois, à ce moment-là. Et j'ai envoyé un mail à Farming, j'ai une réponse. Et donc du coup pour le demande de partenariat, elle a été acceptée. Romain va nous faire. Romain va faire un caca nerveux en s'énervant. Non non pas du tout. D'ailleurs je vois pas pourquoi je m'énerverais d'ailleurs pour ça. J'avoue que là c'est quelque chose quand même de s'énerver pour ça. Mais bon bref, du coup ouais, Farming, ils ont accepté ma demande de partenariat. La demande a duré 2 jours. Donc en vrai, c'était plutôt carré je trouve quand même. Ce qui fait que maintenant sur les vidéos vous retrouverez les liens FS22 avec le code de réduction Farming du coup 22 avec le code. Voilà voilà.
Je verrai si demain Micromania et puis si elle est morte, j'en rachèterai une. Ouais, pense à prendre une télé avec aussi. Je dis ça, je dis rien, mais je pourrais pas être là. Je pense pas que tu pourrais être là. Ça sauf toi, c'est nickel, sauf toi, bien sûr, c'est nickel. S'inscrire, bah t'as juste à supprimer le message, hein. Oh, ça y est, t'en as qui cassent encore les couilles. Putain! Eh, je vais jamais en finir avec les modos, hein. C'est un truc de ouf, hein. Putain! Parce que là, sur le salon, vous êtes. Donc, on est trois là pour l'instant. Il y a une personne qui s'est enlevée. Il y avait une personne numéro 3 qui s'est enlevée. Mais là on est 3, il reste 3 places. Donc voilà. Ben, c'est pas énorme, mais des fois j'ai l'impression qu'il me répond. Pour un peu de temps, pour un con. Attends 2 secondes les gars. Tu veux que je lui parle en PV. Hop. Voilà. Merci Guy qui est en vocal là. C'est un mec qui est en train de s'emmerder en vocal, non, un peu. Bref. Vous êtes 3, il y a 3 personnes. Il peut y avoir jusqu'à 3 personnes là. Bonne nuit à tous ces bas à plus. Je sais pas, je ne parle pas de mon ami, il est décédé d'un accident de moto. C'est pas Noah par hasard? Alors je demande ça parce qu'il est connu par beaucoup de gens, donc dans le deuxième match, j'ai reçu une télé à 2000 €, putain. 21h40, il est 43, le donc le daron qui a failli me cramer, j'ai pas trouvé sur Insta, je vais me désinscrire, oui bah voilà. Parce que les gars, il y a un Noah qui est décédé aussi, pour ceux qui savent pas, hein, je préviens. Accident de moto, accident de moto. Donc bon. Du coup pour ça, je voulais peut-être pas dire YouTube, mais je préfère vous prévenir au courant maintenant. Moi j'ai pas de moto. Mais je pense qu'on peut lui faire quand même un très bel hommage, un très bel hommage. Je compte faire un hommage sur GTA. Vous voyez. Je compte lui faire un hommage sur GTA. Il faut qu'on soit beaucoup. Ça vous dit qu'il faut qu'on soit beaucoup sur la map. Il faut qu'on soit tous en moto et qu'on joue RP. Voilà. Et le but du coup de l'hommage. Alors. Déjà, je dis ça, je dis rien. Mais Maël,
Attends, parce que moi je le trouve plus là, c'est quoi? Comment ça se fait que je le trouve plus? Attendez les gars, parce que... Oui. Morel, c'est avec un L, hein, pas deux. Hein. Le respect, déjà, là, tu vois, au niveau du nom de famille, déjà cassé. Hein. Je le connais pas de Noah. C'est mon ami, il s'appelle Tom. C'est abusé avec Noah. Même un militaire n'a pas ça. Là, tu te fous un peu de ma gueule, quand même. Hein. Parce que j'en ai vu des trucs sur TikTok, bien sûr que si. Hein. Oui, c'est Noah. Ouais, Noah Morel qui s'appelle. Il est mort en moto vendredi, dans la nuit de vendredi, de jeudi à vendredi. Coupe-toi les cheveux, t'es moche. Toi aussi, merci beaucoup. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. C'est l'Anonymous, comment tu vas, Anonymous? C'est mon pote, j'habite dans sa ville. Salut le boss, comment tu vas? Je te dirai ça sans. Tu me dis, je te dirai ça sur Insta si tu veux. Déjà AKM, t'arrives sur un live, tu dis bonjour, déjà, pour commencer. Voilà. Nique ta mère, toi aussi. T'arrives sur un live. Tu dis bonjour déjà pour commencer. T'arrives pas genre violent comme ça, voilà. Putain, mais c'est quoi ces gosses putain de mal élevés là, putain. Vous faites chier, sérieux. Eh les gars, il faut être poli un peu. Vos parents vous ont pas pris le respect, les gars. Il faut retourner à l'école aussi, hein. Putain, c'est quoi ces mômes là? Cassos pareil comme ça là, ça dégage. Salut Gladys, GG sur TikTok, JTS. De quoi JTS? Sinon je prends ma moto et je vais faire... J'ai pas eu le temps de voir. Non mais c'est des crocassos de première classe, sérieux. Non, je te prends ma moto et je te fais tu. Non, je préfère. De toute façon, ce sera en live Twitch. Hein. Putain, je fais des oublis à cause de ce cassos là. Putain, casse les couilles, ces gens comme ça qui viennent sur live, qui t'insultent déjà. Ça m'énerve, j'ai envie de frapper les gens comme ça, putain. Ouais, mais. Ouais, je vais faire un hommage à Noah. On va être sur GTA en moto, tous en moto. GTA RP, on va jouer RP en moto. Et on fera le tour de la map. On fera le tour de la map en moto et puis. Et puis voilà, ce sera un live hommage entre guillemets, il n'y aura pas spécialement de fun, mais on rendra hommage quoi, tout simplement. Moi c'est un terminologue qui veulent se faire passer pour des grands sous le chat alors qu'ils y connaissent rien. Ah, les modos les gars, c'est pas spécialement un truc qui va vous changer la vie les gars. Hein. Mais j'ai vu Fury hein, déjà, je l'ai vu. Hein. Putain, les gens comme ça, je vais les retrouver, les frapper là. Les gens comme ça. Casseux de première classe qui viennent sur ton live, qui t'insultent déjà à peine arrivé.
Et le pire de ça, c'est des mecs qui y connaissent rien à ce que tu fais. Moi, ça part en screen et ça va être envoyé à YouTube, ils vont perdre leur compte. Parce que tes gros cassos comme ça de branleurs de merde, ça dégage de mes lives. Alors déjà pour commencer ça partira en signalement. Alors attends, je signale ce fameux AK-Kalash 67 là. Harcèlement, intimidation, non, je pense pas que ce soit ça. Intimidation, oui, mais j'ai précisé. Hop. Voilà. J'espère que ça lui servira trop souvent. Salut Farming. Reglen, c'est bien. Bah oui, c'est bien. La moisseau. Oui, oui, je confirme. Elle s'est cassée la gueule, je confirme. Je confirme. Eh, je me dis ça des fois, les gars, et je suis en train de penser à un truc. Nous, les petits streamers, on va pleurer parce qu'on se fait insulter, genre, sur les lives. Mais imaginez, genre, Stervio. Un mec qui n'aime pas Stervio. Un mec qui l'aime pas, ou même une personne, c'est même Squeezie, hein. Une personne, Qu'est-ce que tu te casses la tête, c'est un confesseur, j'en sais rien du tout, puis j'en sais rien, Après, si t'as été voir, je sais pas, mais moi, je sais pas. Qu'on te fait et quoi, je pense, ouais. Mais bon, tu sais, c'est YouTube, c'est comme ça, hein. Eh, j'entends me dire un truc genre Stervio, même. Comment Squeezie. Même autre, hein. Ils se font insulter. Mais genre, nous à côté, on est là en train de s'énerver parce qu'on se fait insulter par une personne. Des fois, c'est pire. Hein. Moi ça me fait rire. Ouais mais c'est quelque chose que tu prends pas forcément l'habitude en fait. Sinon vraiment je demande à tous mes potes de faire N, on fait et on burn. Voilà, donc je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Te casse pas la tête avec des gens comme ça. C'est sûr. C'est sûr. Après c'est pas simple, hein. Vous êtes en live, c'est pas simple, hein, de se dire oui, voilà, cette personne elle m'insulte, voilà. Alors, ce qui est drôle, tu vois, c'est que les personnes qui entre guillemets t'insultent, c'est des personnes qui y connaissent rien, tu vois. Des personnes qui ont fait 2 lives dans leur vie, ils ont fait 10 vues, les mecs ils se croient riches, tu vois. Le lien Insta et Discord ne marche pas, mais j'ai mis tout à jour. J'ai mis tout à jour, c'est pas possible, j'ai mis tout à jour tout à l'heure. Bon, alors par contre, le tracteur, tu t'arrêtes de rouler, merci. Les gars, j'ai tout mis à jour, c'est pas possible. Inviter des gens, alors attends, parce que peut-être les liens, en fait, ont littéralement expiré, du coup, c'est plus les bons, oui, c'est plus les bons. Vous avez le Discord, les gars, ici. Vous avez le Discord. Tu fais comme être au chômage en ce moment? Non, pas du tout. C'est juste que je suis en train de voir pour faire un CAP. Hop. On va aller sur Insta. Sur TikTok, il n'y a que des trucs chelous presque. Des lives bizarres, des vidéos suspects, mais qui font 900 000 likes, tu vois. Je dis putain. Toi, quand tu fais des vidéos, ça fait 10 likes et encore. Enfin, moi, j'ai pas à plaindre sur ce coup-là, mais bon, quand même. Ctrl C. Et là, du coup, c'est le Insta. Damien, il est où? Damien, il live pas parce qu'il bosse en ce moment. Damien, il bosse en ce moment. Il bosse en maçonnerie. Du coup, il live pas cette semaine. Sérieux là, putain.
Il y a vraiment une roue qui passe. Bon, oui, bon, mais déjà, comment ça s'est foutu là-dessus déjà? Putain, je le conduis littéralement comme un con, hein. Si tu restes seul, c'est-à-dire, fais du raisin. Et je les ai pas encore mis les raisins. Vaut mieux pas venir avec moi, les gars. Vaut mieux jamais venir avec moi. Yo, c'était bonne. Alors du coup, est-ce qu'on va vendre ça où là? Parce que tableau des prix, on est sur du blé normalement. Ouais. On est sur du blé, non même pas, on est sur de... Oh, je sais plus c'est quoi, merde. Ah oui, j'ai effacé l'outil d'aide, je crois. De l'or, ouais, c'est ça. L'accident de Noah. L'accident de Noah, il me semble, je sais pas comment aller. Il y a plusieurs trucs sur lui. J'ai entendu plusieurs infos et plusieurs types d'accidents qui auraient pu être. Qui ont été dit à ce qui paraît. Renversé par un camion, perdu le contrôle, qu'il est tombé tout seul, enfin bon. Yonatox, comment tu vas? Je sais, mon frère est avec sur l'accident. Sur farming, ouais, TikTok, je crois, non? J'ai une question, oui, je t'écoute. Salut Thomas. Ma version, d'après ce que j'ai vu sur internet, tout ça, c'est un camion qui l'aurait renversé à ce qui paraît. D'après ce que j'ai compris. D'aller commenter mon TikTok. Ah, possible. Le G29 est compatible PS4, ouais. Je suis en vogue sur ton serveur. Ouais. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Il est tombé seul, il a pris un mur. Enfin, je sais pas, moi, c'est un peu spécial quand même. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Non, mais les gars, c'est des gens qui savent pas quoi foutre de leur soirée. Ils préfèrent t'emmerder plutôt que rester tranquille sur un live, tu vois. Non, faut que les mecs ils arrivent tranquillement, tu vois, bien t'insulter, te trash, genre ils y connaissent rien ton compte, tu vois. Les mecs ils sont là, oui, t'es là de merde. Eh. Hey. Y'a quoi maintenant? Putain. Alors je suis où? Moi je suis là, ok. Tu penses quoi de cette situation? Moi je pourrais rien dire parce que bon, moi j'ai pas été là sur place pour voir qui était là ou connaissait, pour voir qui a fait quoi. Il a eu un accident, voilà, bon, les circonstances, je crois qu'il y a encore une enquête ouverte. Noah, c'est un mec qui a eu un accident de moto, qui est malheureusement mort à cause de ça. Mais les circonstances, il y a pas mal de trucs en disant que ce serait soit un camion qui est tombé seul,
qu'il aurait pris un mur, à ce qui paraît. Enfin bon, moi je sais pas, puis on verra. Sur Discord, mais les gars, moi Discord, quand je suis en live, oh putain, c'est pas vrai. Sa moto était trafiquée. Salut les cours, bah y a pas de problème. Yo, soirée raclette, comment tu vas, soirée raclette? Ah ouais, j'ai vu ça aussi, on m'a dit que sa moto est trafiquée aussi. Ouais, j'avais entendu ça aussi. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais on m'avait dit ça aussi. Je sais pas si c'est vrai, on verra. On verra de ce que les... de ce que l'enquête dira. Bon, c'est pas ça, mais le classe, il galère un peu, hein. Un pote à toi? Non, moi je le connaissais pas, tu vois, mais disons que entre guillemets connu sur TikTok, quoi. Enfin, connu sur TikTok même de base, tu vois. Faut pas acheter de moto aussi. Si, après voilà. Après, je pense qu'il y aura quand même la vitesse qui sera dite aussi, je pense quand même. Je pense que la vitesse sera informée, enfin on sera peut-être informé de la vitesse, tout ça. Non, non, mais moi les gars, on verra ça plus tard, les gars. Pourquoi ton écran est comme ça, c'est-à-dire l'écran, quel écran? J'ai un écran standard, les gars, hein. Il y a trop de drame. Ouais, mais les gars, je vais vous expliquer un truc, hein. Il y aura peut-être des gens qui vont se désabonner, mais c'est pas grave, hein. On parle d'accident de moto. Bon, il peut y avoir un accident de moto où voilà, tu pas le contrôle. Voilà, tu peux avoir un accident également si tu fais des rodéos sauvages ou tu fais des wheelings sur la route, tu te fais percuter. Voilà, moi sur ça, tu vois, c'est un peu spécial, mais tu veux dire quoi sur ça, tu vois? Voilà, moi je veux bien, hein. Après, il me semble que oui, il a perdu le contrôle, ou il a bouffé un mur, je sais plus comment ça se passe, ou il s'est fait renverser par un camion. Et là, tu vois, trois hypothèses déjà qui font en sorte que déjà on sait même pas de quoi il est mort, tu vois. Surtout les gens qui font du bus ou l'accident. Je suis d'accord, salut. Lucky, sa moto était trafiquée, mais elle était bien montée. Et il a pris un mur, c'est dans la rue de pavé, donc il a sûrement glissé, ouais c'est ça. Ah c'est ça, il a glissé je crois, ouais il a glissé puis il s'est cassé la gueule, ouais. Comme la plupart aujourd'hui des personnes. Mais c'est vrai que j'avoue, on en a parlé aux infos de ça, genre TF1, BFM, tout ça, non parce que c'est vrai, on en a parlé sorti qu'il avait quel âge? 16 je crois. Oh, il était pas vieux, hein. Il avait 16, je crois. En plus, il avait une meuf, putain, sale pire. Ça détruit ça. Quand t'es en couple et que t'as ton mec qui meurt, ça détruit ça. Salut, je me couche, y a pas de problème, Raph. Mais ouais, il est parti à 16 ans, hein. Il est parti de jeudi à vendredi, je crois. Mais ouais, quand t'as ça, même quand t'as une meuf, ça fait bizarre. T'imagines, toi, à la place de la meuf, comment tu dois réagir? Champagne qui veut un verre. Et puis si tu parles le cran, ça pardonne pas. Bah, pas du tout, hein. Là tu perds le cran, mon ref. Attendez, c'est passé quoi là? Si t'es sur TikTok, Kevin, t'as certainement déjà entendu parler de Noah. Noah qui est un jeune gars qui est mort en moto dans la nuit de jeudi à vendredi. Il est mort de quoi? Il est mort de chute. Il est mort de chute, et comment il est mort de chute? Ben justement, on sait pas encore. Il y a pas mal d'hypothèses qui disent que il aurait glissé puis qu'il aurait tapé un mur. Il y aurait plusieurs hypothèses qui diraient qu'aussi il s'est fait renverser par un camion. Moi, c'est ce que j'ai vu sur Google, les gars. Je sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais
D'après, enfin, moi, d'après ce que j'ai entendu, hein, il s'est fait renverser par un camion, etc. Bref, moi je veux bien. Il s'est fait renverser par un camion. Il y en a qui disent qu'il s'est fait, qu'il est tombé, qu'il a tapé un mur. Taper un mur à 50 km/h, c'est énorme, les gars, faut pas croire. Hein. Quand c'est la tête qui prend, le corps qui prend, taper un mur à 50 km/h, c'est l'équivalent à plusieurs. C'est chaud, tu vois. Donc il est mort à cause de ça, il est mort à cause de chute. Donc pour l'instant, on sait pas de quoi vraiment il est mort. Voilà. Pour ceux qui savent pas, maintenant vous savez. J'avoue que quand t'apprends ça de TikTok, voilà, c'est un peu, c'est spécial. Je sais rien d'autre, bah ouais, mais nous c'est pareil, on n'a pas trop d'infos sur lui non plus, parce que justement t'en as qui disent qu'il est mort de chute, t'en as qui est mort parce qu'il s'est tapé un mur, t'en as qui disent voilà qu'il a perdu le contrôle, voilà, c'est plein de trucs comme ça qui peuvent te faire douter, tu vois. Après, seul à l'enquête lui-même verra si oui ou non on avait raison ou pas. Moi bon, après voilà, moi ce que je veux dire, voilà, on sait pas de quoi vraiment il est mort, on sait pas d'où ça vient, et puis voilà. On verra avec les enquêtes qu'est-ce qu'ils vont dire, et puis voilà. Moteur de kit 700 fast. Moi vont parler de ça, moi les gars vont parler chinois, moi je m'y connais pas du tout en moto, je pourrais pas vous dire. Mais oui, on parle aussi de moto trafiquée aussi, hein, j'avoue que ça aussi ça a été dit. Hein. Tomber et puis bouffer un mur, se faire renverser par... par un camion, le fait qu'il se soit qu'il ait perdu le contrôle, ouais, y a beaucoup d'hypothèses qui disent que voilà, voilà. Salut Léo, comment tu vas Léo? C'est pas un camion. Bah ouais, mais c'est ce que les gens ont dit, hein, sur TikTok, sur YouTube, enfin même en général sur Internet en général. Parce que moi j'ai été voir sur TikTok en live, hein, une personne qui a dit oui, c'est parce que y a un camion qui l'a renversé par un tracteur, je sais plus quoi là, par un tracteur semi ou je sais plus comment ça s'appelle là. Donc voilà. Ticket dans sa voiture. Il a fait un arrêt cardio. Cérébral suite à son accident. Il n'a pas fait un arrêt respiratoire surtout, je crois. Ça va tranquille, bah tant mieux alors. T'es le boss, merci poussière. Artissement, tu connais, tu sais. C'est quoi ce modo? Arctic, c'est Silver et les modos depuis un bout de temps maintenant, hein, je vous dire. Écoute. Nexo, je vais te remettre modo. Mais tu casses pas les couilles. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. J'avoue, t'y étais. Mais bon, hein, voilà. Ah oui. Mais j'avoue que bon, on a pas mal de circonstances par rapport à l'accident. Et on sait même pas vraiment de quoi il est mort en vrai. Parce qu'on pourrait dire accident, ouais, accident, mais l'accident comment, tu vois? Tu fais quoi pour éviter les accidents? Bah, moi déjà, j'ai pas le permis. Après, tu fais quoi? Bah, ça dépend, parce qu'un accident, tu peux respecter ton code de la route en te faisant percuter quand même, hein. Les accidents, s'il faut que tu aies un accident, t'en auras un, c'est sûr. Hein. Voilà. Hein. Demain, tu prends le boulot, t'as mis tes gosses à l'école, tu te dis voilà, moi je pars tranquille, ou peut-être un petit peu en retard, tu roules vite, hop, accident, tu vois. Ou je sais pas, tu pars vraiment à l'heure et tout, tu prends ton temps, tu te fais rentrer dedans par une voiture, par un camion, par je sais pas, un train, bon, c'est un peu abusé, mais c'est déjà arrivé. Voilà. Hein. T'es en moto, tu pars au boulot, tu pars à l'école, voilà, tu tombes, ouais, il pleut, ouais, tu tombes sur les pavés, même les gars, ce qui est le plus traite encore sur ça, je crois, ceux qui sont motards, vous me direz pas le contraire. Les pentes blanches d'arrêt de stop, de céder le passage, voire même de passage piéton. Tu ferais quoi? Ben moi, ce que je ferais, déjà rien, parce que tu peux pas éviter un accident. Ça dépend lequel.
Si tu vois un mec arriver en face qui est sur ta ligne, oui, tu peux éviter quelque chose. Mais si ça t'arrive comme ça en une fraction de seconde, voilà. Tu peux pas faire autrement. Un accident, ça arrive comme ça. Après, voilà, c'est... Ah, tu peux pas dire oui, moi j'aurai pas d'accident. Hein. Moi demain, tout con, j'ai pas le permis pour l'instant. Hein. Demain, je prends ma voiture, je pars au boulot. Il y a un tracteur qui m'a pas arrivé, qui me coupe la route. Paf, je me prends le camion, ça y est, ça peut être terminé, tu vois. Voilà, c'est même le camion, le tracteur surtout. Et j'ai un accident de chasse. C'est de plus en plus, c'est de plus en plus régulier ça, les accidents de chasse. Hein. Enfin, mais maintenant, vocal Discord, je vais aller voir après. Non, parce que c'est pas ça, mais moi je veux bien les vocales Discord. Mais bon, voilà, quand je suis en live, c'est un peu spécial, tu vois. J'aime mettre avec ma communauté tranquille, tu vois, en train de discuter. Voilà, c'est comme ça. Hein. Je vais regarder cet aveu, tu peux dire à Stavo qu'il bosse. Il le sait déjà, hein. J'ai pas besoin de leur dire pour qu'il le sache. Hein. J'aime pas la chasse. Moi, ça va. C'est pas ce qui me dérange le plus. Mais bon, voilà. L'accident de Noah, les gars, on n'en saura pas plus. Et j'espère qu'en tout cas, ce sera... voilà, ce sera... Ce sera résolu, qu'on en comprendra mieux, voir qui est en tort, pour si c'est vraiment une personne... Parce que même ça, hein, vous savez, les gars, ça peut être un acte de crime, hein, une personne qui... Je sais pas s'il avait des ennemis en vrai, Noah. Je pense pas en vrai, je sais rien. Tu gagnes de l'argent grâce à Starvio. Starvio, non. Starvio, il a fait que de ma raid, hein. Il m'a pas donné d'argent ni tout ça. Hein. Après, voilà, c'est tout. Hein. Mes revenus ne vous regardent pas en général, mais moi, ça me dérange pas de vous les donner. Hein. Le petit loup. Ah, mon petit Mamadou, comment tu vas, mon ref? Vous connaissez la blague du papier? Oh. J'aime bien. On est en train de parler d'une personne qui est décédée. Et t'as un con qui sort quoi? Qui connaît la blague du papier? Roger Bug. Et si je suis son pote? Hein? Si je suis son pote? Ah vache. Oh. Elle déchire. Ouais bon. C'est des vannes qui restent encore. Attends. Je vais juste remonter un message. Le message qui a été bloqué par le modérateur. De compte 05 là. De compte 5 là. Je vais lui prendre son message. Il est où lui? Il est là. Parce que le mec il m'a sorti quoi? Mais écoute. Hein. Non, moi je dors pas maintenant les gars, il est pas l'heure. Le message que t'as affiché contre 05 s'appelle de l'harcèlement et d'intimidation vers la personne. C'est là que je peux aller porter plainte à n'importe quel moment. Voilà. Tu peux pas venir en vidéo TikTok quand la map de stream up sortira, y a pas de problème, je vous ferai ça en vidéo, c'est prévu d'ailleurs. Mais aussi il est bizarre, il est sympa, il parle avec toi, et puis il t'insulte, je sais pas pourquoi. La miso locale n'a rien à voir les gars avec des aides. La miso locale c'est juste quelque chose pour t'aider à trouver un travail, hein. Je vois pas le problème là-dedans de te dire, c'est pour profiter des aides.
Toi, tu connais pas ma situation familiale, donc tu peux fermer ta gueule, hein. C'est tout, hein. Le mec, il est sympa avec toi, il parle avec toi. Et il va te trouver à un moment. T'es claqué chez ta mère, que tu profites de la mission locale pour avoir des allocations. Tu dois trouver un travail. Mais trouver un travail, les gars, c'est prévu, hein. Peut-être un meilleur travail que toi, peut-être. Figure-toi. Ah, je les comprends pas, les gens. Attends. Là, ça fait la 3 voire 4e personne qui arrive sur live et qui je sais pas, qui insulte comme ça, tu vois. Je sais pas, c'est. Voilà. Salut Enzo, comment tu vas, Enzo? Où ça va à l'école? Perso, je me suis fait harceler. Toujours dit de garder la tête haute. Ouais, mais faut en parler, tu vois. Faut en parler. Sauf que je vais live. Ouais, moi ça va tranquille. Par contre, les gars, je vous préviens, si je fais un live FFS22 pour qu'il y ait des personnes qui insultent tout le monde. Ça bouge, quoi. Voilà. Non, non, mais ce mec, il te sort ça, tu sais pas pourquoi. Ça va être de l'entraînement. Merci les gars pour les 3200 abonnés, ça fait plaisir. Ça doit être des mecs jaloux. Je sais pas. Je sais pas, mais ça fait plaisir quand même d'avoir une communauté qui est présente. L'autre qui te sort, oui, j'ai ton adresse IP. On m'a déjà sorti ça sur TikTok, les gars, j'attends toujours. Hein. Voilà. Hein. Bah bon. Salut Romain, comment tu vas? Salut Tom, re-Tom. Je sais pas, mais bon, après. Romain, je t'ai identifié sur TikTok, mon pseudo c'est le même. Ouais, j'irai voir ça en fin de live, les gars. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire celui-là là? Je pense réellement que je vais faire un live par mois sur la chaîne. Réellement, c'est pour avoir des mecs comme ça qui arrivent sur tes lives. Qui te menacent. Le pire, c'est des menaces. Hein. On va venir à 13 et ton adresse IP. Y'a pas de problème. Le mec qui sort ça parce qu'il a peut-être passé une mauvaise journée à l'école. Ah, je pense que s'il passe des mauvaises journées à l'école, du coup, il se venge sur une personne qui n'a strictement rien fait. Ah ouais, tu tures, par contre, tes blagues, faut les réviser. Hein. Viens, arrête quelqu'un. On n'est pas assez. Tu vois ou pas? Ouais, vas-y, invite, ouais. Il se passe quoi? Bah des personnes qui arrivent sur ton live, des mecs qui te disent, bon je sais plus, hein, de toute façon j'ai toi en capture. Hein. On va porter plainte sur YouTube. Exactement. Non mais les gars, ceux qui me demandent des conseils pour stream, les gars, réellement, faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Voilà. Parce qu'avec des mecs qui viennent sur vos lives pour vous dire, pour te menacer, c'est même pas la peine, tu vois. Si vraiment t'acceptes pas les menaces, c'est même pas la peine de commencer YouTube, tu vois. Ou tu peux le faire, hein. Mais disons que les gens, ils peuvent en jouer de ta situation, tu vois. Ils sont jaloux, c'est pour ça qu'ils te disent ça. Bon, j'en sais rien, mais bon. Yo, Zoméga, comment tu vas?
m'entends? Parfait. Ça va tranquille quoi. Je comprends pas. Ça va, toi, ça va tranquille. J'en sais rien, mais vas-y, ça m'énerve. C'est-à-dire comme on m'a déjà sorti ça, on m'a déjà dit ça sur TikTok, en plus on m'a déjà dit ça, en plus on m'a dit oui, j'ai ton adresse IP TikTok et tout, j'ai piraté ton compte, j'ai fait vas-y, écoute, j'attends toujours, ça fait un mois. Hein. Mais vu que j'ai quasiment personne en privé, c'est même pas la peine. Il y a moins une fois. Mais la police. Ben, je pense en vrai que ça sert strictement à rien. Je pense que c'est des gens qui essaient de foutre la pression, je sais pas. Mais bon, moi je fais mon live. Je fais mon live tranquille. Moi je vous emmerde pas, vous m'emmerdez pas. On se parle tranquillement. Voilà. On peut faire copain-copain sur le chat si vous voulez. Mais ça va pas plus loin. Il y a moyen une fois tu m'aides à créer une chaîne YouTube sur PS4, c'est à toi de le faire, tu sais pas moi. Mais ce sera sur Discord les gars, justement les menaces tout ça, ce sera sur Discord, là, ce sera signalé. Hein. Vendredi à 21h15, je connais le temps d'une moto de 49,29 cm, elle a perdu le contrôle. Elle a perdu le contrôle de son engin en rue Lamartine à Clery. Le jeune homme de 16 ans est en arrêt cardio-respiratoire suite à l'accident. Voilà, cardio-respiratoire. Combien? Oh! Le chemin de l'hôpital de Mâcon est intervenu pour le réanimer. Mais après plusieurs longues dizaines de minutes d'efforts, le massage cardiaque n'a pas suffi. Ouais, mais c'est le massage cardiaque, ouais. C'est ouais. Comment on lance un live? Avec le bouton share. Je comprends pas leur truc. Le lieutenant Bertrand. Sur le lieu, une enquête a été ouverte. Par la gendarmerie de Clery. Exactement. Non, mais voilà. Qui menacent, on les emmerde. Bon, j'en sais rien, mais bon, faut les laisser faire. Voilà, moi je vous dis, on s'en occupe pas. Mais le pire, c'est que le mec, tu l'envoies bouler, mais tu sais, mais gentiment, tu vois. Il te répond à NTM, quoi, tu vois. Puis, non, mais c'est quoi ces gens? Le hashtag dans les tags sur YouTube Studio. En vrai, les gars, je sais pas vous, mais moi, quand il y a des gens comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'arrêter mon live, tu vois. Même là, tu vois, je live parce qu'il faut que je live, tu vois. Mais là, j'aurais pu l'arrêter depuis longtemps, tu vois. Mais vas-y, je le fais pour vous parce que vous êtes sympa, quoi. Je crois que ça va mettre ton pseudo play. Je l'ai jamais mis, mais je crois que c'est ça. Les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Ils t'entendent pas? Attends, je vais voir ça. Ouais. Vas-y, attends, je t'autorise. Je désactiverai après. Ouais, si tu veux. Hein. Bon bah ça va partir sur de l'entraînement. C'est bon. Le gars maintenant vous l'entendez. Il a pas une voix de daron lui. Je dis rien mais bon. Ah là là. Mec 45 de ratio, il m'a mis 12 carré. Je l'ai mis 1v1. Il m'a mis 12 carré. Moi je carré de moi. Romain futur chômeur pro. Non pas spécialement. Tu sais les étoiles en haut de GTA. Faut laisser faire les gars, ouais. Les étoiles qui seront, tu sais, devant le grand cinéma de GTA. Ouais. Et bah, si tu regardes bien, il y a le prénom des vrais chanteurs. J'ai jamais fait gaffe.
Oh là 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 là, je viens de baisser mes yeux juste de 2 mm, je viens de voir une punaise. Je vais faire une crise cardiaque. C'est ma phobie, c'est bête. Ah. Attends. Une phobie des punaises. Putain, moi quand je vois une araignée, mec, je cours. Non, j'abuse, mais dis donc que quand je vois une araignée, mec, bah c'est la sandale qui part, quoi. Putain, le gars, je suis cool en vrai. Je suis vraiment cool, hein. Je fais en sorte que ma life soit bien, carré, propre, clean, tu vois. Le mec il me sort quand même petit, coupe-toi les cheveux, t'es moche. Bon, bah oui, mes cheveux sont pas spécialement beaux, mais moi j'aime bien, donc voilà. Donc bon, et donc je l'envoie chier, mais genre, tu sais, discrètement, tu vois, sans violence, tu vois. Il me sort un NTM. Tu veux que je réponde quoi à ça? Tu veux que je réponde quoi? Des mecs qui viennent t'insulter alors que t'as rien fait. Ok. Mais attends, moi, je vais pas que écraser parce que ça pue, mais bon. J'ai mis. J'ai laissé dans ma chambre, mais j'ai mis bien loin de moi. Hop. Alors, on va. Eh les gars, on va aller là. Mettez. Ouais, tu sais quoi, je vais foutre tarif moi-même, tu vois. Oh. Je vais foutre tarif moi-même. Hop, j'ai même pas de réponse à ça. Mais je suis con moi aussi parce que j'ai même pas mis les mots que je pouvais ban. Putain. Je vais tuer le monsieur qui a 42 ratio là. S'il est pas en god mode, bien sûr. Et j'ai loqué. Salut Mathias, comment tu vas Mathias? Et Romain le pigeon, ouais j'ai vu ça mais bon. Ouais, oh, c'est pas grave. Je l'ai pas foutu en ban, moi. Non, pas du tout. Ah si, je crois. Je sais plus. J'arrive pas à le tuer. C'est quoi cette blague? Bon, ben salut, à plus Léo. Moi, les lives comme ça, les gars, ça m'énerve. Je sais pas, tu live tranquille. T'as des gens qui arrivent qui t'insultent, mais tu sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est voilà, c'est bizarre quand même, non? Loupé 42 ratio, mais t'es vraiment nul. Les mecs, ils passent un mauvais mardi, je pense. Je pense qu'ils passent réellement un mauvais mardi. Demain il doit avoir un contrôle. Ah bah c'est sûr. T'as pas révisé. Ah bah c'est sûr. Du coup ils vont sur les autres en pensant que ça va l'aider. Les gars, je l'ai toujours dit, hein. Vous avez des problèmes à l'école. Je suis pas psy de base, hein. Mais si vous voulez en parler, vous pouvez en parler, vous savez. Ça peut soulager un peu les gens. Faut en parler, les gars. Si vous avez un contrôle demain, faut en parler quand même, hein. Déjà qu'à fois je le tue, je vais aller voir son ratio après parce que. Si on peut donner de la force, hein, c'est pas mal. Ok, attends, il a quitté. Il a combien de ratio? Attends, je vais aller voir Jackton sur PS. Ok, il est passé de 40 à 35. Wesh. Non, de 42 à 35. 42.5 à 35.
Allez hop, là il doit aller prendre son laser, aller tuer des gens en session. Je même pas sur mon salut live, Maxime, comment tu vas, ça va toi? Je sais même pas si t'as mon live à côté. Non, non, je l'ai pas. Moi j'irai voir en fin de vas-y, y'a les flics. J'ai des problèmes à l'école. Mais les gars, si je dis ça, c'est vraiment sérieux. Hein. Si vous avez vraiment des problèmes à l'école, faut en parler, les gars. Faut pas rester sur. C'est qui t'insulte BGO? Non, mais t'inquiète, les gars, c'est bon. C'est des insultes, c'est pas grave, les gars, on s'en fout. On passe à autre chose, c'est pas grave. Si vous avez des problèmes à l'école, que vous faites harceler, que vous en parlez à personne, que vos parents sont pas au courant, que vos profs non plus, que même vos potes non plus, on est 14 sur live. Hein. Alors, s'il faut en parler, n'hésitez pas. Hein. Je suis dyslexique et personne ne veut me parler, que faire? Ben, moi, du coup, vu que je suis au courant, moi, ce que je te conseille, c'est que tu ailles voir tes parents et que tu leur dises. Tu leur dises, moi, à l'école, voilà, on harcèle pour tel truc ou... si t'es dyslexique et qu'on t'harcèle par exemple, que t'en parles, c'est important les gars. Moi j'en ai parlé tout de suite car c'était des menaces de mort. Ah mais c'est ça, il faut en parler. Oh, tes menaces de mort, vraiment les gens ne sont pas de race. Hein, hein? Des menaces de mort, les gens ne sont pas de race. Ouais. Ouais, mais c'est aujourd'hui les gens, hein. Tu vois, c'est YouTube, c'est pareil, hein. T'envoies un mec balader, hein, envoyer chier poliment, tu vois. Il va t'insulter, tu vois. Oh, bah, je veux bien, hein. Moi, que le mec il trouve mon adresse IP, je m'en fous, sur mon PC, voilà, moi, pff, de toute façon mon PC, moi il est mort, donc je m'en fous. Mais bon, ça me fait quand même chier. Avec ton IP, il peut trouver tout sur toi. Ouais, je sais, justement. Et tout sur ta mère, aussi. Tout sur ta mère, je crois aussi avec l'IP. Hein. Moi, je sais pas, je crois bien. Possible. Enfin, tous ceux qui sont connectés, qui sont branchés à la prise de ta maison. Tous les appareils qui sont branchés à la prise de ta maison, il peut tout trouver dessus. Avec. Oui, non, mais si c'est comme ça, c'est à ce moment-là, tout le monde peut, on peut trouver l'adresse IP de tout le monde alors. Bah non, parce qu'il faut quand même que tu fasses une certaine manip pour trouver tout ce qui est branché sur ta maison. Mmh. Et même moi qui ai essayé sur moi, c'est archi dur. Hein. J'ai réussi à trouver mon IP, mais ce qui est branché sur ma maison. Je veux pas leur dire, mais j'ai peur. Bah mais bon. Après t'en as déjà ta prof au pire. Ta prof elle va rien dire. Ouais, enfin moi j'ai... Ouais, en fait les profs c'est des grosses poucaves avant des fois. Moi j'ai une pote, la modératrice, elle m'a raconté un truc, elle avait dit imaginez un de vos profs qui vous dit que vous y arriverez pas, vous savez à rien. Devant tout le monde, hein, devant une classe de 30 personnes par exemple. Hein. Comment veux-tu toi rentrer chez toi en disant... Putain, j'ai passé une très bonne journée et tout. Tu peux pas, non? Bah non. Voilà. Bah en plus j'ai plein de profs moi qui m'ont dit ça. Moi je suis tout le temps. Moi aucun. Moi les gars, les profs ils me foutaient des coups de pression mais pour trouver des stages etc pour bosser tu vois. Ah pour bosser moi j'étais là tu vois. Mais j'avais des coups de pression des fois pour trouver des stages tu vois. Les gars, je sais pas vous quel est votre prof qui vous fout le plus de coups de pression, si vous avez des profs good vibe tout ça. Mais je pense que du collège au lycée, t'as forcément un prof, voire deux. C'est des enfoirés, tu vois. Bah moi j'ai loupé toute ma CE1, je crois. Ou CP, je sais pas, parce que la prof, elle m'a mis au fond de la classe. Ça fait que je suis allé porter plainte, car on voulait me tuer et m'enterrer. Ça c'est... Ouais. Moi je sais même pas quoi répondre, parce qu'aujourd'hui c'est 2022. Aujourd'hui, tu traînes dehors, disons, t'es une meuf ou un mec. Tu regardes un mec au croisement des yeux, juste pour, tu sais, le réflexe, tu vois. Tu te fais tabasser. Donc bon, moi, je veux bien qu'on dise 2022, c'est les jeunes. Réflexe. Mais oui, bah oui, enfin, tu sais, je sais pas. Ouais, tu regardes un mec dans les yeux, quoi. C'est pas pour...
Ouais, c'est le regard de les yeux, tu vois, c'est pas en te disant que je vais te frapper, tu vois. C'est juste le fait, ou même des fois, de dire, tu sais, des fois, le croisement du regard, dire bonjour, tu vois, truc comme ça coûte rien de dire bonjour, tu vois. Même pour ça, t'as même un mec qui se fait frapper, tu vois. Moi, c'est ça que je comprends dans pas, le tu vois. métro, tu sais, les gens, des fois, genre, parce que mon daron, des fois, tous les matins et tous les soirs, il prend le métro. Il essaie au maximum de faire attention aux gens qu'il y a devant lui pour pas qu'on l'incrimine de viol ou quoi. Ou d'attouchement, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, bah oui. Parce qu'aujourd'hui ça va tellement vite que tu fais un truc, c'est terminé. Bonjour, ça va, tu as une copine? Non, non, puis pour l'instant ça va très bien comme ça. Maxime, fais ma confiance, dis-leur. Pas en parler. Mais si justement, si tu. Bah, après, je dirais pas que c'est. Faut pas que tu dévoiles des noms parce que bon, là c'est une dyslexie. Après, par contre, si tu te fais harceler au niveau d'une dyslexie, là par contre c'est autre chose. Là, l'harcèlement, moi je vais vous dire un truc, ma petite sœur, les gars, je vous dis, ça promet. Hein. Ma petite sœur, elle a 7 ans, elle se fait harceler à l'école. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'attends que la procédure judiciaire soit terminée et je leur tombe dessus. Peut-être majeur. Ben ouais, mais au moins, ils verront qui je suis. Hein. Ils ont 7 ans. Mais le pire, c'est qu'ils ont 7 piges, les gamins. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, c'est ça. C'est ça. Encore le gamin, ce qui est pareil, il est con. Il y en a juste un en classe qui fait la merde, tous ses potes le suivent parce qu'ils croient que c'est stylé. Voilà. Après, j'ai résisté car je voulais ne pas en de base. Le suicide, je suis passé par là aussi. Hein. Les phases de suicide, je suis passé par là aussi, mais bon. Pour cette assurance, merci les gars. Ta soeur a porté plainte. Ben disons que oui, il y a une plainte qui a été bah heureusement quoi. T'imagines toi, t'as 7 piges, t'es encore à l'école primaire, ta soeur va se faire harceler à l'école. Tu veux réagir comment? C'est comme vous hein. Votre petit frère, votre petite soeur, même votre cousin se faire harceler à l'école. Cousin, même cousine hein, se faire harceler à l'école. Je sais pas, vous avez genre 14-15 ans, vous faites du sport, vous êtes baraqué, bon moi, c'est on ne critique pas. Mais il y a ton cousin, ta soeur ou ton frère qui se fait harceler à l'école. Toi, t'as 14-15 ans, tu fais du sport, t'as un corps, on va dire, assez musclé, tu vois. Tu réagis comment? Tu veux réagir comment? Moi, je dis que sa mère, hein. Moi, j'ai une balayette à la sortie. Et t'as une fini, garde hein. Rapprochée? Plus. Une garde rapprochée? C'est-à-dire quoi ça? Une garde rapprochée en mode. Mais en fait, il y a plusieurs termes de garde rapprochée. Employé plusieurs fois, enfin dans plusieurs termes ce mot, parce que soit une garde rapprochée en mode elle est plus près de ta mère que de ton père. Ah vas-y, j'ai ma limite de vente. Soit une garde rapprochée en mode elle est plus près de toi que plus près de ta famille que près de l'école. Bah disons que la petite soeur a kiffé l'école. Agent de sécurité? Pas du tout, les gars. Agent de sécurité, les gars, il y aurait deux gardes derrière sinon. Non, non, je déconne, non, mais moi j'ai pas ça. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En vrai, j'ai loupé quoi? Rien de spécial. Rien de spécial. Ça me fait rire. Il est dans un foyer, 22 ans. Là, je sais que c'est pas une vanne. Attends. Il y a encore ça qui est raide là? Non, ça. Bah si, bah si. Non, Non. t'es que 13, il y a que 13 personnes sur ton live. On est 26? Ah oui. Vous avez Attends, terminé leur live là? non, mais c'est ça recommence? Bah oui, bah oui, parce que je les ai jamais vus. Hein. Enfin là, je. Attends, non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Vas-y,
Vas-y putain. Ah si. Ah ouais il a. Ah si. Ah si. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah GG. Ah ça recommence. Comment tu vas Starvio? Je vous le cache pas, il est là. 65 personnes. Ouais, dire putain, que. Putain. Encore un sort où je m'attends pas du tout, quoi. Ah si. Pour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Esther, je le live il commençait si mal. Ça fait plaisir. Comment tu vas, Francis? En tout cas les gars, merci beaucoup pour les 100, c'est là que ça fait plaisir. Même les 100, ouais, les 106, ça fait plaisir, merci beaucoup les gars. Bienvenue à tous ceux qui viennent du live de Starvio, ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Salut Francis, comment tu vas? Bah merci en tout cas de, pour ceux qui viennent du live de Starvio, ça fait plaisir. J'avoue que le live commençait tellement mal. Le live commençait tellement mal. Mais ça fait plaisir d'avoir le soutien de Starvio, ça fait plaisir les gars. Ça fait plaisir. Wow. Ça surprend encore une fois, je vous le dis. Mais merci pour vos abonnements, les refs, vous gérez. Normal, j'espère que tu vas bien. Je suis sur TikTok depuis pas mal de temps et j'adore ton contenu. Merci, Mato, ça fait plaisir. Germainster, pas de quoi. Bah, merci, Léon, en tout cas, ça fait plaisir. Salut, Ludo. Restez aussi. Ah, ils font ce qu'ils veulent, les gars, mais ça fait plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, vous gérez. Je peux toujours pas venir. Non, pas maintenant. Starvio va se coucher, je sais pas. Je crois que Starvio, les gars, il est parti raid. J'avais entendu qu'il allait partir raid là. J'ai envoyé, on voit moi là. Quelqu'un normal, pas moi. J'ai pas compris. Je découvre ta chaîne. Bah, bienvenue, les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Rien, c'est encore un jour où tu t'y attends pas. Hein. C'est voilà. Après ton là, on peut jouer un moment. Moi, je vais l'arrêter vers 23, les gars. Je vais l'arrêter vers 23. Je sais pas, je vais voir si je l'arrête vers 23 ou pas. Mais de toute façon, ouais, on va l'arrêter vers 23, les gars. Putain, ça fait plaisir que Starvio passe en vrai. Il est parti au lit. Ah. Et j'ai entendu ce que t'as eu sur ton live. C'est YouTube les gars. Voilà. Moi de base je suis de beaux conseils, tu vois. Je suis de beaux conseils. Et j'aime bien donner des conseils pour ceux qui veulent se lancer, tout ça. Peut-être des gens qui arrivent sur des lives, qui t'insultent, qui te critiquent, bref. Voilà. Mais c'est YouTube. Hein. Voilà. Re encore Red par Starvio, ça fait plaisir. Je m'attendais pas du tout à celle-là. Ça fait plaisir. Il aura un petit commentaire de moi sur sa vidéo. Enfin, sur son live surtout. Mais les gars, encore un temps. Hein. J'étais même pas au courant. J'étais dans ma boisson tranquille en train de parler. Ouais, ça fait plaisir, vous voyez. C'est quelque chose qui. Ça fait plaisir. Et tu pourras passer PV Discord. Mais les gars. Arrêtez de forcer les gars, moi aussi j'ai une vie à côté hein. C'est des jaloux de gens qui critiquent quoi, j'en sais rien mais bon. J'en sais rien. Ah mais c'est comme ça hein. C'est comme ça. Si ça je dis rien mais. On se plaint parce qu'on est critiqué, mais disons qu'aujourd'hui c'est ça hein. Puis c'est YouTube hein, c'est les gens ça leur plaît pas ce que tu fais. La map c'est Ferme Kamsden. Toujours zéro personne. Ça fait mal. Je live pour le bon. Garde la bonne humeur et laisse-les de côté. Continue comme ça. Ça fait plaisir. Merci en tout cas pour le soutien. Ça fait plaisir. Tu as eu quand au début de live? Rien de spécial, les gars. Vous inquiétez pas. Toi, si t'as faim et tu as.
fait un match de 22. Tu vas laisser ta sympathie à prélude de quoi? Toujours plus harpé que Stavro. Bon, j'en sais rien du tout, mais bon. Après, disons que je suis pas en multi quoi. Ça aurait été en multi, ça aurait été autrement, mais bon. Voilà, voilà. Hein. Mais ça fait plaisir en tout cas le soutien que donne Stervio. J'avoue que moi perso ça fait plaisir hein. Moi je me rends, enfin je sais pas si vous vous rendez compte certaines personnes hein. Mais quand tu te fais raid par Stervio ça fait bizarre tu vois. Il y a un écho. Ouais c'est Enzo. Ouais merde. Ouais désolé, oh, je suis trop pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Faut mettre le GPS. Ah, j'ai ton émission, mon émission. Vas-y. Je l'écoute, merci. Entraîne, ça fait plaisir. Oui. Non, pour on ceux qui veulent, nouvelle vidéo demain matin hein, en time lapse, parce que du coup j'ai pas le PC, je peux pas faire de carrière suivie, mais bon. J'aimerais bien faire des vidéos carrière suivie, tu vois. Le GPS, ouais le GPS, faut le mettre pour les semences. Là si je télécharge FS19, je l'ai pour combien de temps? On va essayer de finir le champ, non je pense, non les gars, vous en pensez quoi? Ça peut être bien, non? Moi ça me fait chier de pas avoir d'ordi. Je suis partenaire avec Farming, mais en vrai je suis perdu là-dedans. J'ai demandé à Zero pour avoir de l'aide, mais en vrai, moi ça m'a perturbé cette histoire. J'essaierai d'être là pour le timelapse. Bah il sort demain à 10h, la vidéo déjà tournée, voilà. Félicitations pour ton partenaire avec John. Merci, Valou, ça fait plaisir, merci beaucoup les gars. T'es sur Play, Xbox, je suis sur PS4. Bientôt j'espère PC, mais bon pour l'instant c'est pas prévu, mais j'espère. Elle va être une classe et un classe. Ouais. Il aurait pu manquer la bonne classe et là ça aurait été la totale. J'avoue que ça aurait été stylé, j'avoue. Vas-y, encore 4 jours et vas-y, je suis toujours pas chaud. Je suis partenaire farming, c'est plus la merde. Oh, bah écoutez, après... ça dépend pas des personnes. Après, pourquoi vous pensez que c'est nul? Parce qu'il n'y a pas de gens qui achètent le jeu, ça se passe comment? Quelle est ta main préférée? De tout, j'aime bien tout. Moi aussi, je m'appelle Romain. Bah, bienvenue. PC ce serait trop. Ah mais ce serait trop. Ferme ton émission. Mais quelle émission les gars? Moi aussi je geek sur la PS4. Je me suis abonné. Merci les gars pour vos abos. Oh non moi sonore. Ouais mais bon ça fait 2 jours qu'on se tape des moissons. J'avoue que ça commence à pas me gonfler mais c'est stylé. Avec la plus grande barre de coups PS4 pour l'instant, ça fait plaisir. Y a pas trop d'oubli, y a pas trop de bugs, c'est stylé. Tu connais Papy Tractor Gaming et les streamers sur FS console, bien sûr que je le connais. Juste que mon staff on a rien à foutre. J'ai contacté 4 fois FS pour une chose. J'ai abandonné ce staff pour toi. Oh. C'est qu'on est modéré sur PS4. Oui, mais c'est ça le truc. Après Cody, je sais pas si quand t'es en partenaire farming, t'es à droit de te plaindre. Tu vois. Parce que moi, j'ai plein de trucs à dire à farming sur des mods, tout ça. Mais vu que t'es en. Vu que t'es non, en. Comment dire, il te retire le partenariat. T'as pas le droit. J'aime bien. Mais comparé au PC et au mod PS4 et PS4. PS4 et PC, oui, déjà, je suis d'accord que déjà sur PC. Vous êtes beaucoup plus en avant par rapport à tout le monde, que ce soit même sur King Mode ou autre. Au niveau des modes, vous avez tout ce que vous voulez, tu vois. Mais bon, après, ça reste tranquille, tu vois. PS4, on a des bons modes en vrai, mais... C'est des modes galères ou des modes très peu utiles, tu vois.
tu vas utiliser une fois, tu vas dire vas-y c'est bon, ça me saoule, puis voilà. Tu connais Titou. Il me semble que j'en ai déjà entendu parler, je sais plus. Tu restes sur Famic ou tu vas aider GTA après? Oh je sais pas, je vais voir ça. Déjà je vais finir mon champ déjà. C'est qui lui? Kakashi. Ah bah il a quitté. C'est F16. Ouais d'accord ouais. D'ailleurs t'as eu des nouvelles Enzo du mec ou pas? Mec hier, oh, on a fait un avion dans la journée. Et 500 à 140. Ça m'étonne pas. J'ai pas pris un screen parce qu'il a quitté et j'ai pas pu mourir de lui. Du coup. Mais voilà. Voilà. Tu connais JF Float 1.4? Les gars, je connais pas tout le monde. Hein. C'est le type, comment tu vas? Les gars, je connais pas tout le monde. Hein. Et j'avoue quand même, les gars, qu'on se fait chier en FPS4 quand même. J'ai ça, j'ai rien, mais y a pas de musique, y a rien. Parce que l'autre fois, j'ai mis de la musique, je me suis fait strike. Bon. C'est quand qu'on sort le nouvel FS? Les gars, je sais pas. Hein. Les gars, je sais pas. Hein. Y a le 22 qui est sorti il y a pas longtemps. Je pense que l'autre sortira dans pas longtemps non plus, mais dans quelques années, je pense. Tu regardes les trois fermes, bien sûr. Tu connais l'Alsace-Mulhouse? Vas-y. L'Alsace-Mulhouse. Mais FS 22 vient à peine de sortir, c'est ça? Mais je vois qu'il parlait de FS 23, FS 24, je sais plus. Et ma grand-mère, tu connais les joueurs? Oh non, mais. FS 26. Déjà, FS 22, les graphismes ne sont pas dégueux, même sont d'ailleurs très beaux. Alors, à mon avis, FS 26. Mais il parlait de FS 24, alors je pense que. Non, parce qu'il y a toujours un an d'écart, le 19 est sorti en 18, donc le 24 sortira en 2025. Le FS 24 pourrait sortir en 2025. Ce qui fait que le FS 26 pourrait sortir en 2027. Le 26 pourrait sortir en 2027. FS 26. Le jeu a toujours un chiffre de plus par rapport à la sortie, ce qui fait que ouais, 26-27. Je crois que c'est 2027, je crois. Hein. FS24 au jeu de Paris. Mais ouais, je crois que c'est le FS24 qui sort. Je sais plus. Après, je sais pas, mais l'utilité de faire un. Comment dire? L'utilité de faire un farming, c'est pour en refaire un ou deux ans plus tard, tu vois. Le 26, t'as le moral, on sera mort. Il y aura plus de téléo, j'en sais rien. Oh si, je pense quand même, si. Mais moi, en vrai, ouais, je sais pas. Je sais pas, on verra. Tu connais la haie des Newtons, c'est quoi ça? Les gars vont parler de quoi là? D'accord, pour moi il a réussi quelques bugs, mais ils vont remédier dans les prochaines mises à jour. J'espère. Salut Victor, comment tu vas? C'est vrai que le 22 il est à peine sorti les gars. On peut pas avoir 3000 farming en une fois. Hein. Mais il me semble que le prochain c'est FS24 je crois. Le FS24 qui sortirait a priori, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, etc. Play, c'est de la merde, on est en 5 joueurs console. Donc je confirme. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais t'en passes pas tranquille. T'es de quelle région? Loiret. Ça va devenir comme Apple. Qui sort tous les mois. Ce serait fort, le gars, quand même. J'avoue que ce serait fort. Merci pour vos abonnements les gars, on est à 3227. On était à 3180 je crois. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup les gars. Et surtout merci beaucoup à Stargo, Eric, alors franchement, quand tu t'y attends pas, ça fait plaisir.
Parce qu'on m'a, beaucoup, enfin, on m'a beaucoup fait de vannes comme ça en me disant oh, il y a Starbucks qui arrive et tout. Moi j'étais là, je fais ah bon, il y en a qui me disaient oui, c'est vrai. Puis quand j'allais voir, qui me disaient oh, c'était une vanne. Du coup, c'est pour ça que je me suis un peu méfié, tu vois. Mais ouais, après, quand on est arrivé à 30, 32, voire même plus sur là, j'ai dit bon, bah d'accord, c'est bon. Moi je suis sur console. Après, je sais pas si on devrait dire que les joueurs console devraient être surtout au niveau, tu sais, d'un. Comment dire. S'ils veulent jouer sans mode. Après, ça peut être compliqué. Peut-être pas empêcher. Moi perso, si. Moi sur console, les gars, ça me fait un peu chier. Alors, j'ai raté quoi? Le passage de Stervio. Je rigole pas. Donc, c'est une farming. C'est une série farming légendaire. Je n'ai jamais entendu parler, hein. Salut Jean, je me suis abonné, je vais te découvrir. Bah merci Ludovic, ça fait plaisir. T'es de quelle région? Du Loiret. Une 45 pour ceux qui veulent savoir précis. Nous sur quoi PS4. Salut Chenouva, bah bienvenue Floxy, en tout cas un Floggy, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Ah c'est pas forcé, mais n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu et 43 sur live, ça fait plaisir, j'avoue que ça fait plaisir. Salut Franck, comment tu vas? Je vais devenir youtubeur. J'espère. Si ça peut percer, pourquoi pas, hein. Mais oui, j'avoue que je me... Enfin, bon, après, je vous dire un truc, c'est une expérience à faire. Voilà, tu joues PS4, console en général. Nous, ce qui est dommage... C'est que sur PS4 on n'a pas les gyrophares réalistes. Stervio va finir son live. On va lui mettre un petit commentaire. On va lui mettre un petit commentaire à Stervio. Un petit commentaire sur hop, voilà, ça fait plaisir. T'es sur quelle map? La ferme Kamsden, j'avoue qu'elle est un peu spéciale mais elle est belle. T'as un quelque temps dans la vidéo, tu joues comme ça. Moi je joue comme ça, je suis pas gris, hein, mais je joue comme ça. Bah réellement, si oui, demain je devrais faire un gris, voilà, je le ferai, hein. Je le ferai. Mais perso, salut Mille, comment tu vas? Mais perso, oui, s'il fallait que je le fasse, je le ferai, ouais. C'est sûr. Tu joues volant? Non. Je joue manette, tu vois, manette. Je viens de m'abonner et liker, j'espère que ça te fait plaisir. Bien sûr les gars, ça me fait plaisir. Tu pourras t'abonner. On verra, si tu mets du contenu régulièrement, on verra. Non, on verra. Je préfère dire on verra. Il peut y avoir moyen, hein. Bon, un contenu qui me plaît, farming, belle miniature propre. Bannière propre, logo propre, nom de chaîne propre, enfin après la nom de chaîne ça voilà, c'est quelque chose. Mais si c'est propre, oui, il y a peut-être moyen, ouais. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Je sais pas, jusqu'à temps qu'on finisse le champ déjà. Alors Romain, t'as vu ça? Oui, j'ai vu ça. Ça me fait plaisir. Tu joues sur PS4, yes, sur PS4. Francis Paris 16 qui même sans être modo sur la chaîne, c'est un très beau modo en général, hein. Je l'ai souvent, je live à peu près tous les 2-3 jours, ouais. Ça veut dire que là j'ai live du coup aujourd'hui, je vais pas live du coup pendant 2 jours.
Mais du coup, ouais, je vais live Twitch demain. Vendredi, on est sur Twitch, les gars. Important, live abonné farming. Donc voilà. Mais moi, déjà, le premier truc, j'ai fait passer le message. Faut qu'on parle après. salut Romain, GG pour le partenaire farming. Ça fait plaisir, merci les gars. Ça fait plaisir en tout cas parce que malgré que le live, les gars, il a très mal commencé, des insultes, des menaces, bref. Le live, c'est bon. Le live, c'est très très. Il va très bien se terminer, tu vois. Il va très bien se terminer, ça fait plaisir. Fabien, il y a un Fabien dans ma session. C'est qui, 136 likes, ça fait plaisir. Merci les gars, ouais. 136 pouces bleus, ça fait plaisir. La map Kamzen. Elle est pas mal celle-là. Après les gars, cette barre de coupe, les gars, je vous la recommande. Hein. T'as mis des modes, ouais, là je suis modé, ouais. Mais sur la game à bon, on sera pas du tout modé, ou presque. Je peux être modo. Ça se passe pas comme ça, les gars, c'est à moi de voir. Hein, pourquoi? Ah, les mecs, ils sont arrivés. Ils sont arrivés sur live, insultes, tu vois, c'est bon, voilà. Reste à eux, comment tu vas? Ouais, ça fait plaisir en vrai, je m'attendais pas du tout à ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, je t'ai peut-être pas dit Stervio, mais j'ai vu avec Zero. Et j'ai réussi à devenir partenaire avec Giants. Donc bon. Du coup, tu serais si la map Zol Stream Farm, je sais pas en vrai quand est-ce qu'elle va sortir. Mais ça fait plaisir en tout cas, je m'attendais pas du tout que Stervio passe ce soir. Le live commençait si mal, les gars, je vous jure, ça commençait si mal. J'étais là, j'ai fait putain. Tu vois, Stervio est là, ouais, je confirme, ouais. Je confirme, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh putain. Ça fait plaisir. Ouais. La map elle était en test, ouais. Mais j'ai vu les mods sur Giants, c'est là leur site, là. J'ai vu à peu près pour les mods qu'ils étaient en test. On aura pas mal de choses, hein. Bah, j'avoue que les joueurs console, c'est un peu spécial, quoi. Là, faut jouer avec mon tonton s'il peut me faire notre config PC, tu vois. Comme ça, si je peux jouer PC, ça peut être pas mal, tu vois. Stave qui passe sur le live. Je vais pas encore m'en remettre, hein, ça c'est sûr. J'étais sur live de Stervio, Stervio le best bien sûr. Un peu grosse la barre de coupe, c'est la plus grande de farming. Enfin en tout cas farming PS4 a fait 18,2 mètres. Donc ça va, c'est plutôt bien. J'avoue, j'aime bien, c'est pas mal. Comment on fait pour voir les modes qui sont en test? Sur Farming, c'est Forum, Giants Farming, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est Forum Farming en tout cas. PC c'est cher. Ouais, mais bon, niveau Family Lab, tu peux regarder un petit peu les prêts avec les tontons, tu vois. C'est pratique. Ouais, mais la barre de coupe, ouais, elle est grande, mais elle est pratique. Hein. Bah, le plateau, par contre, il fait 22 mètres, je crois. Toi, la barre de coupe, en vrai, elle est plutôt grande, hein. 18,2 mètres, ouais, elle est là. Hein. Je vais pas l'acheter parce que je risque. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru, j'allais crash. Eh les gars, je vais vous dire un truc. Sur console, l'autre fois j'ai crash parce que j'ai pris un camion, quoi. Du coup, ça a coupé le live, j'avais le seum, j'avais le mort. Et je me suis dit, putain, il y aurait eu Stervio, j'aurais pété un plomb, j'aurais cassé la play. Oh non, mais c'est pour ça que j'ai envie de vous la montrer. Mais d'un côté, j'ai pas envie parce que j'ai peur de crash. Bon, je vais pas vous la montrer, je vous la montrerai juste comme ça parce que ça fait flipper. Mais la barre de coupe, elle est où? Enfin, le plateau, il est où le plateau? Il est là. Vous voyez, le plateau, il est comme ça. Hein. On peut pas faire de dons. Si, enfin, on peut. Si, mais en. Si, mais c'est en PayPal, en description, les gars. Donc en vrai, le plateau, il est quand même pas mal. Hein. Il est quand même pas mal, j'avoue qu'il est quand même plutôt grand. Hein. C'est un mode pratique, ouais. Et il est ton décor limite jaloux. Ouais, mais bon. Il faut que je le change. Parce qu'il est pas ouf. Hein.
T'as mis des modes. Là, je suis modé, là, ouais. Je suis modé. Mais j'avoue que si vous voulez cette barre de coupe, les gars, elle est en mode PC console. Hein. Donc, si vous la voulez, bah, n'hésitez pas. Hein. Bah, si vous voulez faire des dons, les gars, ou si vous voulez faire un don, bah, écoutez, je peux vous mettre le lien PayPal si vous voulez. Si vous voulez, alors attends. Parce que c'est pareil, il faut que j'aille sur YouTube pour prendre le lien. Parce que vu qu'on n'a pas tout ce qui est overall, etc., c'est un peu la merde. On fait avec. Hop. Ah, puis évidemment, mon ordi fait des trucs bizarres aussi. Oh, en plus, la trémie, elle est pleine. Du coup, il faut que j'aille sur un live. En plus, mon ordi bug, c'est horrible. Que je prenne le dernier live que j'ai fait. Et normalement, en description, normalement, c'est le bon lien. Hop, le plus. Hop. Voilà. Voilà. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à faire un don si vous voulez. Faire un don PayPal, ceux qui veulent, n'hésitez pas, ça ferait plaisir. Et puis, voilà, voilà. Moi aussi, je crache souvent. Ah, mais c'est souvent, hein, les crashs, c'est vraiment, vraiment souvent. C'est souvent. Ceux qui font des dons, dites-le sur live. Salut Ganel, comment tu vas, Ganel? Comment tu vas, Ganel? Donc on va prendre le tracteur puis on va les vider. Les jeunes beaux. Merci les gars pour vos abos. C'est pas tous les youtubeurs qui répondent. Ouais mais bon, c'est galère de répondre à tout le monde les gars, hein. Faut pas croire. Hein. Répondre à tout le monde c'est super compliqué. Hein. Nickel et toi Romain. Eh ben ça va tranquille. Hein. Sur PlayStation, on peut faire des vidéos, la cam d'un téléphone, ça marche, je sais pas. Mais disons que nous, sur PS4, en gros, on peut pas faire de vidéos avec la caméra. Sinon, c'est un peu compliqué, faut que tu tournes ta vidéo à l'avance, il faut que tu ailles sur les montages, etc. Et c'est un peu galère. Donc fait. Bah merci Jean, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je vous remercie les gars. Y'a Ganel. Ça fait plaisir, bonsoir tout le monde, ça va, moi je suis Covid. Rip pour vous les gars. Hein. On est à 145 pouces bleus les gars, ça fait plaisir. On a 3236 abonnés. Ça fait plaisir. Bon par contre je sais plus rouler moi. Oui je suis là. Attends, faut que j'aille vidéo moi parce que je suis en train de me tromper de sens à tous les coups, bien sûr. Je suis en train de me tromper de sens. Il y a le modo qui a mis le lien pour les monantes, les gars. Vous remontez un petit peu le chat, c'est le forum.giants-software.com. Je l'ai mangé surtout. Donc je pars bientôt, pas maintenant. Après, il n'y a pas de problème, Ganel. Hein. Mais ça fait plaisir en tout cas. T'es pas sur TikTok, si. Si, je suis sur TikTok, si. Il y en a peut-être qui sont abonnés à Stable qui me connaissent depuis TikTok. En vrai, c'est voilà. Attends, je vais juste couper mon autre live qui était d'hier là. Hop, voilà. Estelle, ton décor et pourquoi on t'a insulté en live? Pourquoi on a commencé à t'insulter? Alors en début de live, il y a une personne qui est venue, bah tu connais hein, YouTube aujourd'hui les jeunes. Voilà. Et ils disent oui, bon, j'avoue mes cheveux, bon, hein, c'est pas ça, mais bon, ça embête qui, tu vois. Le mec il est arrivé, oui, coupe tes cheveux, nanana. Le mec, je l'ai envoyé mais balader, mais genre, tu sais, bah, pas méchamment, tu vois. Il m'a sorti un NTM, tu vois, donc, vous savez ce que ça veut dire, hein. Donc, bon, déjà, moi, me faire insulter comme ça, déjà, non. Mais, du coup, ben, en gros, le mec, il m'a dit, ouais, j'ai ton adresse IP, nanana. Ça fait une heure qu'il m'a dit ça, j'attends toujours, bon. On m'a déjà sorti ça sur TikTok, hein, bon, j'attends toujours encore, hein.
Mais bon. Voilà. On n'entend pas le tracteur. Alors attends, parce que le problème c'est que moi, Discord, je peux pas le mettre sur PS4. Alors attends, volume du véhicule 50. C'est mieux ou pas là? En vue intérieure, je crois qu'on entend que dalle. Hein. J'avoue, c'est dommage, mais bon. C'est des cons, franchement. Non, mais c'est sûr. Mais tu veux faire quoi avec ça? Après, je dis ça en vrai, mais je me dis quand même d'un côté, je me dis Stervio, il doit en prendre des critiques, tu vois. Mais moi, je m'en fous un peu des critiques parce que j'ai une commune, les gars, voilà. La commune de Stervio qui régale, tu vois. Lui en lui-même qui régale, tu vois, ça fait plaisir. Mais bon, tu sais, tu peux banner des gens. Bah oui, j'en ai ban au moins 3-4 ce soir là. Mais ça fait plaisir de te dire, t'as la team de Stervio qui sont avec toi, tu vois, c'est quand même quelque chose. Donc en vrai, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir d'avoir du soutien, même des personnes au niveau d'un raid. Voilà. Ils savent pas ce qu'ils disent. Bah, je sais pas, mais bon. Parce que la plupart des gens, ils critiquent des fois sur le fait de dire oui. Ah, pas d'insulte. Ah bon? Pas la team, les modos par contre sont là. Je confirme. Les modos méga mal, enfin la team. Il y a quand même des gens de la team de Stervio entre guillemets. Hein. Je pense des viewers qui sont quand même habitués d'être sous les lèvres de Stervio, donc en vrai ça fait plaisir. Il t'a régalé le raid quand même. Bien sûr, parce que tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas. Moi je suis plus roulé du coup à cause du chat là. Je te prends pas la tête, loulou. Je me prends pas la tête, tu sais. Moi, quand je vois le nombre d'abonnés, ça fait plaisir, tu vois. Les personnes qui parlent et tout, ça fait plaisir, tu vois. Stervio qui te soutient à fond dans l'histoire, ça fait plaisir. C'est chiant des mecs comme ça. J'ai été agressé en tracteur dans la réalité. Comme quoi, il y a des gars gentils et des. Il y a les gens qui te soutiennent. Comme moi. On n'est pas tous pareils. Je confirme, c'est sûr. On a toujours des insultes, même si ça se voit pas. Il y a les messages privés. Tout ça, tu connais. Bah, ça, c'est sûr. Les messages privés, les gens ils t'envoient des messages privés pour dire ouais, t'es une merde. Tu sais, moi, j'en ai jamais reçu, hein, mais bon. Toute façon, voilà. Hein. Il se prend pas la tête, il prend le melon. Non mais les gars, ça doit être trop lourd quoi. Attends, t'imagines, toi tu live tranquille, t'es motivé, et puis t'as un mec qui vient qui te dit ouais t'es nul, t'es une merde. Tu vois, c'est quand même quelque chose, tu vois. Il y a quand même des abos qui ont eu de la haine envers moi et qui m'ont sorti quoi, qui m'ont dit oui, toi tu mérites pas le raid de Stervio. J'ai fait les gars, je vous ai fait quoi Stervio, tu vois. C'est pour ça, bon. Moi Stervio qui me raid, moi ça me fait super plaisir, mais je sais pas pourquoi les gens ils ont autant de haine envers toi, tu vois. C'est ça le truc. J'aimerais bien être modo. On verra plus tard pour les modérateurs, les gars. C'est pas urgent. Ça, moi, que je comprends pas. Les mecs, ils arrivent, oui. Le raid de Stervio, tu le mérites pas. Ah, vas-y, fais. Ouais, mais bon. Moi, pendant ce temps-là, au moins. Stervio, il sait qui est raid, tu vois. Et puis, moi, je suis pas prêt de décevoir. Hein. Même jamais, je pense d'ailleurs. Parce que réellement, tout ce qu'il a fait pour moi, Stervio, aujourd'hui, c'est grâce à lui. Hein. Et je vais vous dire un truc, même grâce à vous d'ailleurs. Hein. Tranquille, les insultes, ça passe au-dessus de moi, MDR. Aussi, mais bon, tu as compris quoi? Mais tu soutiens 100%. Ouais, c'est sûr. En mode, prends Francis, c'est moi, MDR. Vas-y, écoute. Toi, Ganel, vu que je te connais d'Instagram, on a discuté une petite fois, je crois. Voilà. Francis, il m'a dit quoi? Il m'a dit, pour l'instant, je préfère gérer pour l'instant le live de Stervio et tout ça. C'est quoi ton prochain live? Je sais pas du tout. Après les gars, quand j'aurai le PC, je connecterai peut-être ma play sur l'ordi. Stervio, il fait ce qu'il faut et toi aussi, tu vas faire pareil. Ah bah bien sûr. Bah franchement les gars, aujourd'hui, mon plus grand kiff, ce serait dès que j'ai l'ordi,
de faire juste au moins une game avec Starvu et la team. Oh, ce serait vraiment là le total là. Ils sont jaloux pour, j'en sais rien, mais bon. Ils rabaissent car ils veulent te rabaisser. Ça les amuse de descendre une personne. Pas de soucis. Mais c'est pour ça les gens, je les banne. Hein. Je les banne, je les time out ou. C'est tout, hein. Trop serein, c'est merveilleux, bah de rien. T'es le meilleur. Francis, il m'a dit quoi? Je crois que c'était sur Insta, je crois. Il m'a dit. Pour l'instant, je préfère gérer pour l'instant le stream de Starway Zero, je crois. Et voilà. Mais oui, les prochains modérateurs en visu, oui, Francis en fait partie. Hein. T'es le meilleur, merci les gars, ça fait plaisir. Salut Nicolas, comment tu vas? Bon, et bien écoutez, les gars, on a filé notre moisson. Alors on commence la presse. Bon, ouais. On commence la presse, on n'a même pas fini. Grâce à toi. Tu sais, vu que t'as mon compte là, en tu serais pas me mettre d'arobase. Je vais faire après. Ça va à peu près. Bah moi les gars, je suis pas psy, mais si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Hein. Je l'ai toujours dit. Hein. Si vous voulez en parler, tout ça, n'hésitez pas. Hein. Bah j'ai pas, Francis, parce que depuis tout à l'heure, il y a... Oh, la barre de coupe, elle a pas aimé. J'ai pas vu le mur en plus, désolé. On va jouer réaliste, mais bon, avec 18 mètres, c'est pas un peu compliqué. Oh merde. Vous jouez à plusieurs. Je suis en vocal juste avec un pote, t'inquiète. J'ai mis un pouce et abonné. Merci Nicolas, ça fait plaisir. Ça va en faire des bots. Il n'y a pas que ça encore. Hein. Un modo pour ban le russe, s'il vous plaît. J'ai des russes sur les lives, je sais même pas c'est qui. C'est des bots. Il casse les couilles, les bots. Oh. Merci Gan, merci Silver pour. J'ai dit un Ganel. Merci Silver pour le ban. Je suis russe. J'ai beaucoup de russes sur les lives, hein, je sais pas pourquoi. Très bien ta vidéo, continue comme ça. Merci slash ça fait plaisir. Des bots, y a pas que ça encore. Hein. Les bots, y en a encore plein. Hein. Je vais vous faire un tour des champs qu'on a fait, vous allez voir. Hein. Et c'est sur à peu près, je crois, bah, du coup, 3, 4, 5, 6 heures de live. Oh punaise, j'aurais pu faire mon premier ban, mais j'ai oublié, j'étais modo. Alors, je pense, à mon avis, des bans, t'en aurais une bonne quantité, je pense, après. Hein. Je suis en solitaire, je suis en solitaire. Bon courage, Nicolas. C'est juste que... Peut-être je vais me faire opérer de l'épaule, j'ai un tendon qui est mort. Putain, mais les gars, mais... Respect, et puis force à vous, les gars, surtout. Tu loues jamais avec quelqu'un d'autre pour aller plus vite en prod? Si. En live abonné qui est prévu vendredi. Vendredi soir, live abonné, j'ai prévu, mais bon. On est quasi complet. Salut Dylan. T'inquiète, c'est un appareil, plein de russes, c'est la guerre. Non, moi, c'est relou, c'est chiant, c'est dégueulasse en plus. Sur les lives, là, c'était ça. Ça écrit des trucs, tu sais même pas c'est quoi. La barre elle va se lock tout seul normalement. Ouais, c'est bon. J'ai 18 les gars. Je joue, mais c'est ce qu'on veut, vous inquiétez pas. Je me suis abonné force à toi mon ref. Merci les gars. Salut le farmer, comment tu vas, farmer du 43? Donc, du coup nous on va ramener la barre de coupe, on va la nettoyer un peu et puis voilà. C'était lien de bots. Oh, mais c'est des bots. Pas très catholique, je crois. Hein. C'est que ce que vous faites, ça fait du bien de vous voir faire. Bah, de rien, ça fait plaisir. Moi, j'ai toujours dit si on peut parler, moi, c'est pareil. J'ai des problèmes de famille, vous voyez. J'ai des problèmes un peu partout, vous voyez. Je parle des fois avec des gens. Ça fait plaisir, tu vois. Ça réconforte et tout, tu vois. Mais bon. Silver, est-ce que t'as le lien Discord s'il te plaît? Ou Tom si tu veux. Bah un des premiers rapides quoi, le plus rapide voilà. Salut Farmiox, comment tu vas Farmiox? Discord, oui c'est ça. Ah, attends mais je crois.
Il me semble que c'est le mauvais nom. Je sais plus. Ouais, c'est le mauvais, les gars. C'est plus le bon, celui-là. C'est plus le bon. J'avoue que mes liens, ils ont tout changé. Moi, j'ai un lien. Si je le mets sur ton live, bah, ça le coupe. Alors, attends. Je vais faire un copier-coller déjà, comme ça, je l'aurai s'il y a besoin. Depuis quand, en plus, ça le rechange? Je Tu veux comprends pas pas. mon lien? C'est Comme ça, quoi? aux gens que t'aimes pas, j'ai un lien. Dès que tu le mets sur un chat, et bah, ça coupe le live. Non, non, arrête, arrête, arrête. Fais pas le con. Le lien Discord, je l'ai mis. En fait, le problème, les gars, je vous expliquais un truc. J'ai fait les mises à jour des liens aujourd'hui et c'est pas encore les bons. J'en ai marre. Vous battez pas, les gars. Non, mais bon. Bon, moi, je vous laisse debout demain pour aller livrer le client à 7h. Et bah écoutez, bah, bon courage pour le taf. Salut Farmiox, comment tu vas? Salut Gaëtan. Tu as une ferme? Ta famille, en fait, je suis nouveau et je. Et une fois, je suis passé sur ton live et tu finissais, je me suis dit il est bien, je m'abonnais et donc c'est pour ça que je suis là, voilà. Eh bah bienvenue en tout cas, ça fait plaisir. Je me trompe de route avec la batteuse, c'est pas normal. Merci à PC Badorian. Putain, il y avait un Six dans ma session, il a quitté. C'est un pote à moi. J'aurais pu J'ai un truc de m'entraîner, temps, mais bon, t'inquiète. quitter. C'est une rupture de tendon de la coiffe du rotateur. Mais les gars, vous parlez de quoi au rotateur là, le tendon de l'épaule là? Ouais. Je sais pas trop encore ce que je. Ce. Attends. Je sais pas trop encore ce que c'est car je dois voir le rhumatologue demain après-midi, Francis. Ah d'accord, putain, ça part loin quand même. Bon, en tout cas, les gars, force à vous et puis en espérant que ça se passe bien quand même parce que. Apprendre à conduire. J'aimerais bien, les gars, jouer volant. Je vous le dis direct, mais j'attends d'avoir l'ordi. Je pense que déjà l'ordi c'est le plus important déjà au niveau de quand tu joues au farming déjà. Attends, je reviens, j'ai faim. Vas-y, vas-y. Salut Lexi. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents sur live, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux que c'est pas encore fait. Si vous voulez, n'hésitez pas. Bon, c'est pas forcé, hein. Mais bon, vu que des fois le lien se met tout seul et là il s'est pas mis, n'hésitez pas à faire un petit don si vous voulez. Bref, vous faites ce que vous voulez, vous faites un don, c'est pas grave. Moi, ça me pose pas de problème. N'hésitez pas en tout cas, ça ferait plaisir. Voilà, voilà. Ça me soutiendrait pour l'ordi, tu vois. Tu es là jusqu'à quelle heure? Je sais pas, là on nettoie la batteuse, on va ranger la barre de coupe, on va tout nettoyer, et ouais, on va vider la benne, puis on va arrêter, hein, je pense. Hein. On va aller voir les mods qui sont en train de sortir, et puis s'il y en a qui sont sortis ou pas, et puis voilà. Hein. Ce sera la fin. On va ramener le tracteur déjà. Voilà. Moi j'ai un volant, c'est trop bien. Ah, le problème c'est que moi je l'ai pas. Aïe, aïe, aïe. T'as déjà eu un gros don. Le maximum c'était 20 euros. Il me semble. Ouais, c'était 20 euros, ouais. Moi j'ai le putain de Covid, donc j'ai pas cours. Demain tu live normalement Twitch. C'est déjà pas mal. Bien sûr que j'ai assez déjà pas mal, 20 euros. Je vous dis 20 euros, moi ça me soutient déjà pour l'ordi. La route elle est là-bas déjà, c'est vrai. Salut Flavie, comment tu vas? Ça va et toi? Salut Gaming du 33. Bon appétit, Ganel en tout cas. Oh putain. J'ai pas Twitch. Après c'est pas grave. Salut Rustique, mais j'ai pas Twitch. Ah, c'est pas grave si vous avez pas Twitch, les gars.
Ben, si vous voulez, je peux vous le mettre. Tu as MIV pas sur. Et tu MIV pas sur YouTube? Tu MIV? J'ai pas compris. Attends. Voilà. Ceux qui veulent Twitch, les gars, je vous mets. Oh, alors, dit bug, oh, sorry. Voilà, Twitch, il est là si vous voulez Twitch. Salut Subgamer, comment tu vas? Qui veut être mon ami? Je me fais harceler tous les jours au collège. Il faut en parler, mon ref. Il faut en parler. Faut pas m'abonner, désolé, c'est pas grave, t'inquiète. Mais n'hésitez pas, ceux qui ont Twitch, hein, n'hésitez pas à suivre au moins la chaîne. Hein. L'abonnement n'est pas obligatoire, mais n'hésitez pas au moins à suivre la chaîne. T'es sur quelle plateforme? PS4, comment tu vas, Romain? Ça va tranquille. Ça va tranquille. Et tu live pas sur YouTube? Demain, non. Demain, non, mais. Alors, demain, non. Attends, demain, on est mercredi. Alors, attends, demain, mercredi, non. Jeudi, non. Je vais relive que samedi. YouTube. Oh, ça glisse. Encore, ça glisse, mais il n'y a pas de neige. Hein. Et si ça, je dis rien, mais. Comment tu vois, ça va tranquille. Ou bien, tu fais quoi? Bah écoute, nous on va s'arrêter là. Hein. On va vider ça et puis on va s'arrêter là. Il y a moins qu'on joue ensemble. Live abonné, les gars. Et j'ai pas Twitch. Après, c'est pas grave. Vendredi, live abonné sur Twitch, ouais. Mais moi, ce que je peux te dire, mon ref, tu te fais harceler, il faut que t'en parles. Tu vois. Twitch, c'est bien sûr que c'est gratuit, Twitch. Ça aurait été payant, je l'aurais pas mis. Hein. Twitch, c'est pay... Twitch, c'est gratuit jusqu'au suivi. Tu suis la chaîne, c'est gratuit. Si c'est marqué s'abonner, bah t'es pas obligé, tu vois. Les gars, on se voit samedi. Je vais m'allonger. Salut, bon courage pour la suite à samedi. À samedi, Nicolas. En tout cas, merci pour les abos fidèles, les gars. Ça fait plaisir. Je dois partager, désolé, y a pas de problème, les gars. Ben, en tout cas, pour ceux qui ont cours demain, ben, écoutez, force à vous, les gars. Ok, puis on se retrouve samedi pour ceux qui seront là. Je pense qu'on fera la presse samedi. Hein. Tu peux m'aider? Mais moi, ce que je peux te dire, parce que moi, je peux rien faire dans ces conditions, tu vois. Moi, je peux rien faire. 99 centimes. 99 centimes, je crois, le niveau 1, un truc comme ça. Après, ça peut aller jusqu'à 800 euros, je crois, niveau 3, et puis full truc. Mais j'ai même pas paramétré les émoticônes, donc en vrai, l'abonnement sert pas trop à quelque chose, mais. Voilà, tu fais du bon taf, Silver. Ah, mais Silver, il fait un bon taf, hein. Silver, moi, j'ai rien à dire sur lui, hein. Entre Silver et Clémence, une des modératrices qui est pas là parce qu'elle a des problèmes aussi, il fait du bon boulot. Hein. Voilà. Ouais, ça va loin, hein, ça va loin l'abonnement, ça peut aller très loin. Hein. Je crois que ça va de 99 centimes jusqu'à 800 et quelques. Il faut en parler, bien sûr, il faut en parler. Et j'ai de taf, moi, plus école, moi. Ouais. Bah pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que je fais comme étude actuellement, je fais pas d'études. Ce que je fais, c'est que je suis en train de voir pour faire un CAP dans la sécurité incendie. Donc en sécurité, sécurité incendie. Tu fais pas de vidéo IRL. Bah j'attends d'avoir mon ordi, les gars. Parce qu'en vrai, les gars, je vous dis ça, je dis rien. Hein. Les GoPro, j'ai ce qu'il faut. Hein. Les GoPro, j'ai ce qu'il faut. Hein. Ça, le problème, c'est que bah les montages, ça va douiller, quoi. Puis qu'est-ce que je peux faire en vidéo IRL, quoi. Je te laisse quand même un point de fin de live à plus, les gars, en tout cas. Bonne soirée à tout le monde, bon courage. Baptiste pour le collège. Mais après, Baptiste, moi, je sais ce que je peux te dire, c'est qu'au pire, tu installes Twitch. Et si tu veux passer un bon moment sur les lives le soir, quand j'arrive sur Twitch, YouTube, tu vois, bah t'hésites pas à venir. Si tu veux parler un peu, n'hésite pas à venir. Bon, je suis pas psy, mais si ça peut faire plaisir, moi je sais pas, ça me dérange pas, tu vois. Il effectue sa période de stage en tant que modo. Déjà, on verra comment ça se passe, déjà. Ouais, je pense que ça devrait aller, tu vois. Après, ouais, les vidéos IRL, moi j'aimerais bien, tu vois. Mais bon, c'est un peu compliqué, quoi, parce que j'ai pas de PC super puissant, tu vois. Donc bon, c'est un peu dommage.
Yo Clem, comment tu vas? Oh, je me suis dit, putain, en plus, mon live, il a commencé tellement mal, j'ai fait, putain, c'est cool, ça fait plaisir. Tu peux venir chez moi dans les Ardennes pour faire un tournage dans une ferme chez moi? On a du fun. J'essaierai de faire ça, les gars, quand j'aurai mon permis, en vrai. J'essaierai de faire ça en vlog chez les abonnés. Ça pourrait être pas con, après, les gars. Hein. Toi, le bureau, là-bas... Tu vois le bureau là-bas? C'est bon, c'est fait. Oups, déjà j'étais obligé de le faire. D'ailleurs, ouais, mais vu que. Est-ce que vu que toi t'as le bureau, toi il me semble. T'as pas un bureau perso, Ganaël, sur le serveur de. Sur le serveur de. De Starvio? En plus, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Alors, seulement, faut en parler au CPE, finalement, directeur du collège, lycée, psy, médecin et parents avec. Faut en parler aux parents. C'est dur, mais bon, faut essayer. Tu viens d'où? Du Loiret 45, vers Montargis, Orléans. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Non, pas personne collectif. Ok. Bah je verrai avec le membre du staff s'il peut te rajouter au moins Après moi je dis bureau mais je sais pas vraiment quoi il sort le bureau des modos en vrai. C'est horrible, Trinka a son bureau et moi non. Triste vie hein. Ah mais bon après ça reste Mais Trinka, après lui, il me semble que Trinka, lui, il me suit aussi sur, sur Insta, je crois. Normalement, je crois que ouais. Il me semble qu'il me suit sur Insta. Tu veux sur quoi? PS4. On va ramener la barre de coupe et on va être bon les gars. Avec le 1455 XL. Avec les LED avant-arrière. Couleur je sais plus quoi, il est stylé. Hein. Trinka c'est mon responsable. Ah, j'ai déjà parlé avec Trinka en vrai. Hein. Faut pas croire. Hein. Le harcèlement, moi j'en ai connu. Mais faites pas trop comme... Mais faites pas comme je l'ai démarré. J'en ai connu. Mais faites pas comme je l'ai démarré. On est dans le bureau de directeur. Pas quand même. Bah ouais, je pense qu'il fait de l'ASMR ton pote. Je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fout d'ailleurs même. Non, en fait, je me suis mute parce qu'en fait, je sentais que ça te dérangeait. Mais je suis en train d'ouvrir mon paquet de gâteaux que j'arrive pas. Eh, hey, les gars, je crois le pire. Bah c'est moi, j'ai réussi. Le pire. Je sais pas si vous c'est pareil. Hein. C'est quand ton frère, ta soeur, un truc comme ça, genre mange, mais genre. Oh, j'en ai. Putain. Ah, les babes qui. Quand ton pote, tu n'en as pas marre de manger. On tendu le paquet. Voilà, voilà. Au tableau de palette, il y a encore rien. Vraiment, en tout cas, perso, il y a encore rien. Oh putain, par contre, c'est. Wow. Première fois que je me casse la gueule comme ça. Alors, je vous dis les gars, là, vous voyez ce setup là, vous voyez ce setup tout pourri là. Caméra trop carré là. Là vous verrez dans... Je sais pas, allez, on va dire peut-être 2-3 mois, 4 mois, 5 mois peut-être. Je sais pas. On aura la caméra bien propre, beau petit décor, tout ça tranquille, tu vois. Avec l'ordi, le stream, etc., les alertes d'offre, etc. Là, vous serez bien. Tu filmes avec quoi? PS4 avec la caméra? On dirait hein, si tu casses le bar de la barre de coupe. Ouais, enfin bon. Pour la remettre après sur le plateau, c'est pas ça, mais... Retenez tout ce qu'il a dit. Ah, mais les gars... Il est ridicule le tracteur à côté de la barre de coupe, je le confirme. Après c'est juste pour le tracter hein. Il a quand même du mal, ça touche. Non, attends, je me remulte. Vas-y.
Même déjà, pas là, j'ai réussi le premier coup. On verra, ça sera réalisé. Bon. Bah, il faut du budget, mais bon, d'un coup que le budget sera là, normalement ça devrait aller. Le budget, un coup, s'il est là, c'est bon, tu vois. Elle nous fait de l'ASMR, vraiment. Ah, les mecs, ils ont raison en fait. Hein. Ça me tue. T'imagines, les gens, ils ont le son à fond. Oh. Oh putain, j'imagine même pas. Faut quand même, t'inquiète. Je préfère quand même, voilà. Bon, tu vas l'avoir où le budget? Je pense que je t'insulte, quoi. Enfin, je pense. Le budget, je vais l'avoir avec le taf. Voilà. Dédicace à Marilyn, les gars. Donc, on a un champ de paille qui est prêt là. Alors, bon, on va commencer du coup par. Alors, vous, on a une petite olaine à la ferme. Bon, j'ai mis ça tranquille, ça fait stylé. On a un champ, du coup, le champ qu'on a, on a pris 2h35 à le faire. J'avoue, c'est quand même long. Hein. On a ce champ là qui a été récolté. Ça, faut que je fasse en vidéo. On a celui là qui a été récolté aussi en paille. Donc, du coup, faut qu'on presse. On a celui là et je crois que c'est tout. 4 champs déjà, c'est juste énorme parce que les champs ils sont quand même énormes. Hein. Il y a celui-là qu'on a fait, il y a celui-là, il y a celui-là, donc il y a le 25, 6, 3 en tout et le 20 normalement. Ah non, il est même pas encore fait le 20. Il est même pas encore fait. Il est même pas encore fait. C'est pour vous dire, les gars, le taf qu'on a sur farming en ce moment. Là, on a quoi? On a des pommes de terre. On a des pommes de terre ici qu'on pourrait peut-être faire. Qu'est-ce qu'on a qui sont encore en train de pousser ou limite près là? J'avoue par contre le 15 les gars, j'ai le hockey. Hein. Faites attention, je vais l'avoir dans 5 jours, je vais péter un câble, je suis trop impatient. Rip les gars. Hein. Enfin bon, là on a un petit champ de betteraves sucrières et sur la map qui est notre site, on a littéralement le champ de coton qui est prêt. On va aller voir les mods les gars, voir ce qu'il y a. Tu arrêtes le live quand? Dans 5 minutes je pense, dans 5 minutes ouais. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie toi Hugo et Enzo? Moi rien, c'est... t'inquiète. Je viens de perdre mon bouton croix, c'est chier. Non mais, toi en fait ta manette je crois elle a un problème. Hein. En fait j'ai appuyé sur quoi pour courir et je sais pas, il s'est décroché. Mais les gars, hier on était sur GTA avec mon pote là. Il me dit quoi? Il me dit putain merde, mon joystick il s'est barré de la manette. Et là il me dit quoi? Il me dit Romain, c'est le bouton de la croix qui s'est barré de la manette. J'ai fait toi, et bon, c'est spécial quand même. Hein. Sont énormes les gens, ils sont quand même pas mal, ouais. Bon, salut, je vais dormir chez moi. Et bah, écoute, bah, bonne nuit, les gars. Petit tracteur, on a encore pas grand chose. Le Landini, les gars, il est coincé. Vous savez pourquoi je l'aime bien? Parce qu'on peut régler les rétroviseurs. Voilà, c'est vraiment ça, c'est pour ça que je l'aime bien. On peut régler les rétros. Et j'avoue qu'il est beau en vrai. J'avoue que Landini, il est beau en vrai. Hein. On a le classe du coup Konami. D'ailleurs, ce classe là, vous pouvez ouvrir les portes. Et j'étais surpris quand j'ai vu ça parce que je me suis fait piéger tout à l'heure en live TikTok. Le Massey Ferguson 7006 avec le châssis large. Bref, à part ça, voilà. Grand tracteur, le 8R. On a le John Deere aussi, 8RT, etc. Bon, il y a ce qu'il faut. Dans Moisbat, on a la Convio Flex Pack. Dans Ancileuse, pour l'instant. Ah oui, ça, je l'ai installé. Faudrait que je l'essaye en solo. Cette petite machine là. Faut que je l'essaye en solo. Un malin d'être pas mal. Je crois que ça fait de l'andin, je crois. Ça fait de l'andin sans être ramassé après directement. Ouais, c'est plutôt stylé, je trouve quand même. Charrue cultivateur, je crois que lui il est nouveau, je crois. Des chômeurs à disque, ok. Remorque, ouais. Du compacteur, herse rotative, c'est moi. Ok, bon, bah je pense qu'en vrai, non. Si celle-là, je pense que je vais l'installer. Voilà. J'ai un mod, les gars. Ça va, il y a des petits mods sympas.
MDR, je dis ça, mon jeu, j'ai désinstallé le jeu. Pourquoi tu l'as désinstallé? Il est bien le jeu en vrai. Je vais pas vous le cacher, les gars. Hier, j'étais sur cette map là. Hier, j'étais parti sur cette map là. La carte des chantiers, elle ressemble pas du tout à un chantier. Hein. Voilà. J'ai crash 3 fois. Hein. Voilà. Il y a un mode que je vous conseille, c'est celui-là, le Traveliner. Ceux qui me suivent pas sur TikTok, les gars, je vais vous expliquer ce mode. Certainement demain, je vous l'expliquer. Donc ceux qui me suivent pas sur TikTok, il y en a peut-être beaucoup qui me suivent pas sur TikTok d'ailleurs. On a dépassé les 31 000 abonnés. Un modo pour ban s'il vous plaît. Ganel, là c'est toujours de chance là. Oh non, trop tard. Oh ça me tue. Attends, TikTok. Pourquoi je trouve pas le t-shirt là? C'est une blague. Attends. Un sweat avec un... La map c'est... la map c'est... celle qu'on était, c'était Ferme Kamsden. Et l'autre c'est la ferme des champs. Je connais rien là-dedans. Alors l'agriculture et en plus je dois réinitialiser mon Windows. RIP. Ah mais il va vite, hein. Il va très vite. Hein. Je vais vous mettre le lien TikTok les gars, pour ceux qui ne me suivent pas, on a dépassé les 31 000 abonnés. Je ne trouve point. 31K, putain, ça fait plaisir. Voilà. N'hésitez pas à aller voir TikTok les gars. Il y a plus de dates. Il y a plus de dates. Je vais aller voir, t'inquiète. Ouais, donc bon, le Magnum 7250, c'est une tuerie. Je sais pas s'il est sur PS4 en vrai, mais bon, voilà. Ouais, c'est bon. Ok, moi ça me va. C'est plutôt parfait. Le serveur Discord, pour ceux qui le reveulent, je peux vous le redonner si vous voulez. Pour ceux qui le reveulent, bien évidemment. Modifier le lien pour qu'il expire jamais. Hop, CTRL C. Je vais aller sur live. Je vais juste faire un copier-coller avant, le mettre sur Google, voir si c'est bon. Parce que des fois, il me sort que c'est le gars. Alors, du coup, c'est pas du tout bon, The Mister Romain. C'est le bon, parfait. Le Discord des gars, il est là, présent. Il nous affichait, n'hésitez pas à y aller. Salut les agris, comment tu vas? À quoi il sert le Traveliner? Il refait les jalons de roue. Il refait, en fait, il fait les traces de roue. Vous voyez, par exemple, sur le pulvé, on voit les traces de roue. Tu vois? Donc, les traces de roue qu'au niveau des tracteurs, bah, c'est super stylé. Donc, ça reproduit ça. Ça fait également petit GPS, on va dire. J'y vais, salut à plus FS Class. Salut Victor. Donc voilà, ça nous fait les traces de champs dans les roues, enfin les traces de roues dans les champs. Je suis fatigué, hein. Et normalement, niveau mode, c'est tout. On n'a pas grand chose. Ouais, c'est tout. Donc tous ceux qui me demandent des fois si on peut installer des mods de stair mode sur PS4, on peut pas. J'avoue que je l'aurais fait, mais on peut pas. Tu veux des liens? Ganaël, je t'enverrai les liens si tu veux sur Insta. Si tu veux. Après, Silver peut te les envoyer. Le truc, c'est que je vais te les envoyer aussi sur Insta. Je vais te les envoyer un par un. Comme ça, tu les auras. Hein. Déjà. Je vais lui envoyer. Comme ça, tu auras juste à faire un copier-coller bloc-notes s'il faut. Et puis voilà. Voilà, voilà. Les gars, on va se laisser là. En tout cas. Ceux qui peuvent me suivre, enfin ceux qui ont Twitch, ceux qui ont Twitch, n'hésitez pas à y aller. Je disais, tu viens, t'inquiète, y a pas de problème, Ganaël. Bon, en fait, je dors pas, donc je suis là de retour. C'est dommage parce qu'on va arrêter le live, les gars. Voilà. En tout cas, les gars, voilà. Un grand merci à Stervo déjà. Attends 2 secondes.
Voilà. Mais pense à les changer. À les changer. Ouais, faut que je les change dans la description. Mais le problème, ça, le problème, c'est que je vais voir ça. Ouais, je vais voir tout ça. Mais bon, les gars, Ganel, celui de Ster, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'il est mono. Hein. bien sûr. Les gars, on est 3242 abonnés. Voilà, ça fait plaisir. On a gagné 8, 10, 3, 4. On a gagné plus de 60 abonnés en un live. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Les gars, bonne nuit. Les modos, merci en tout cas d'avoir été là. Ganaël, nouveau modo. Déjà, ça fait plaisir. Francis qui sera peut-être modo quand il voudra passer modo, ou voilà, quand il me dira. Et ben écoutez les gars, bonne nuit bande de BG. Ben écoutez les gars, voilà, bonne nuit, bonne nuit pour ceux qui sont cours demain. Les gars, on se retrouve samedi normalement. Ouais, attends, je dis pas de conneries, je vais vous dire ça, je peux pas vous dire de conneries. On est le 1, donc 2, 3, 4, donc 2, 3. Peut-être que demain je n'arriverai pas, je vais voir. Vous serez tenu au courant sur TikTok et Insta, les gars. Jeudi, je live et vendredi aussi. Donc, du coup, samedi, les gars, on est de retour sur YouTube. Les gars, bonne nuit, merci en tout cas pour vos abos, ça fait plaisir. Merci à la team de Starview, merci Star, en tout cas, tu régales, ça fait plaisir. Voilà, tu le sais, comme d'habitude. Les gars, on se laisse là, bonne soirée, merci à tous d'avoir été là. Et puis merci à tous, merci en tout cas pour les 175 likes, ça fait plaisir. A plus Nandoku, à plus Francis, à plus Silver, à plus Gaming, à plus du coup Ganaël. Et puis les gars, moi je vous dis bah, samedi 21h sur la chaîne YouTube. Samedi, n'oubliez pas, samedi 21h. J'ai plus notre autre fois, c'est nul.